laissez-moi finir. L'enregistrement est lancé, du coup bonsoir YouTube et bonsoir. 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 C'est parti pour une nouvelle soirée horrifique. Est-ce que t'as bien vérifié qu'on entendait ta voix sur cet enregistrement? Alors non, du coup tu me mets le stress. Mais normalement c'est bon. C'est une soirée horrifique, il faut stresser. Non, je vois sur OBS que le son du micro est ok. Il y a un truc vert. Oh, toi petit youtubeur qui écoute ça peut-être en dehors de chez toi, est-ce que tu as bien fermé le gaz? Est-ce que tu as bien fait en sorte que ta clé, que ta porte soit... C'est l'horreur. C'est marrant, Discord le mute tout seul. Je me suis démuté par Discord. Discord te sabonne, ouais. On n'a pas entendu ce que t'as dit. Ah, putain, quelle bande de saloperies. Je faisais des salvanes, c'est pas grave. Et bien écoutez, pour nous remettre un peu tous dans le bain, est-ce que vous pourriez faire une présentation sommaire de vos personnages? Oui, ça devrait être possible. Je suis Douglas Harper. Frère cadet d'une fratrie, d'une Adelphie, pardon, de 13 personnes. C'était 12 Oui, mais trop 12, et avec... 12, et avec moi, ça... 12 et avec moi, ça fait 13. Non ? Attendez, vous me mettez le doute. Que quelqu'un se présente avant que j'aille rechercher mon... Il y a des frères cachés, je ne suis pas au courant. Attendez. Il m'a mis le doute. Eh bien, je suis Thomas Harper, je suis le frère aîné d'une Adelphie de... Attends, il met le doute. Oh, les casse-couilles, quoi. J'ai été dans la marine militaire. Dites une fratrie, voilà. Adelphie, c'est bien. Et 13 enfants, mon jeune ami, 13. Pourquoi est-ce que tu m'as mis un doute C'était juste pour te troller. Voilà, et que dire à part que je suis ingénieur radio dans la marine militaire. Eh bien, écoute, donc moi, pour me représenter, je suis Douglas Harper. Donc, je suis le frère cadet de Thomas, mais aussi le frère cadet de Chris, David, Hugh, Pedro, Aed, Boogie, Douglas, Afanen, Bloodwen, Catherine, Siwa, Elaine et Nesta. À tes souhaits. Bien évidemment. Je suis né à Caerphilly. Après quelques déboires, je suis devenu un commando, un mercenaire tout d'abord, puis un commando ensuite durant la campagne de Norvège. Petite anecdote, tiens, lors d'une partie de chasse, je me suis fait chasser par une laie et elle m'a brisé la jambe, mais têtu comme un gallois, je me suis accroché à la bête et les chasseurs m'ont vu débouler sur le dos de la laie en hurlant comme un possédé, et depuis ils m'ont surnommé Sa Majesté des Sangliers. Ouais, il a gagné un rip sur lequel il a fait. Voilà. Et voilà, on balance des anecdotes, même si c'est pas demandé, hop. C'est qui le patron? T'imagines, t'aurais chevauché un cultiste? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ouais, on aurait dit Sa Majesté des Cultes. Mais on n'était pas... Il n'y avait pas de cultiste dans l'évolution. Ouais. Et on était... d'ailleurs, je me rappelle de cette histoire. On était rabatteur pour les parents. Exact. Et ben voilà. On a résumé deux persos en un et ça nous a pris que 10 minutes. C'est pas mal, hein? On est bon. Voilà, les calculs sont bons. Qui prend la suite? Moi, je suis Rose le Sage, érudite torturée avec un brin d'amnésie et versée dans les arts occultes et la métallurgie, entre autres. Bravo. Merci. Les arts occultes, la métallurgie. Est-ce que tu as une anecdote? Comme ça, au pif, des beautés. Comme ça, voilà, hop. Tac, madame. Allez, sans réfléchir. Ouais, j'adore les anecdotes sans réfléchir, c'est très bien. Le sage n'est pas une vraie rousse, c'est chill. Ah, ça serait ouf comme anecdote. Ça serait marrant, ouais. On va dire que c'est ça alors. Elle a perdu la colorisation de ses cheveux. Ah, de peur après. Pure frayeur. Ouais, excellent. Du coup, elle se teint en roux. Henri Michel, est-ce qu'il veut bien se présenter?
Et bien... Non, il mange de la potée. Non, il est en train de débugger. Il boit de la poire aussi. Je peux me présenter. Je suis en train de faire des problèmes pour un autre joueur. Oui, ouais. Bah écoute, en attendant, si je peux vous décrire ma vie, il y a Meiko qui est donc un Akita qui vient de se faufiler dans littéralement 5 cm juste en dessous de mes pieds pour voir s'il n'y avait pas du steak qui était tombé. Donc voilà, elle n'arrive plus à partir. Ah si, c'est bon, ça y est, victoire. Il n'y a pas de steak, voilà. Donc... Il n'y a pas de steak, donc là, elle s'intéresse à l'assiette que j'ai posée sur la table et elle est en train de lécher en... Hé, je crois que je te vois pas. Assise. C'est non, ça. C'est non. La brave bait. Voilà, excusez-moi. Du coup, vu que ça règle des problèmes en attendant, j'imagine que... Bon, je viens de finir. 2 petites secondes. C'est bon, merci. Henri Michel Dupont de Savoie. Vieux monsieur... qui râle et qui aime la potée. On ne sait pas trop encore si toute cette aventure ne serait pas peut-être, potentiellement, juste un vieux délire dû à une intoxication alimentaire parce qu'une saucisse avarie. Mais a priori, c'est peut-être pas le cas. Et enfin, Kira Lombardino. Ah ouais, tu peux y aller, c'est pas grave. T'avais une anecdote ? Non, j'allais continuer à dire des conneries, mais c'est pas grave. D'accord, bah dans ce cas-là, je vais me présenter. Je suis donc Chiara Lombardino, jeune italienne échouée en France à cause de la politique en place dans son pays. Et voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bien, merci. J'ai baissé ton son, Lou, t'étais ultra forte. Ah, pardon. Non, monsieur. Ouais, non, monsieur. Non, t'inquiète. Je vais faire de même parce que c'est vrai que t'es. Comme tu te donnes de la voix. Mais ça, c'est le côté italien. On vous reconnaît. Un petit côté fort, Lara Fabian. Ouais, c'est... Et je parle avec les mains surtout. Hein. Je pense que le souci, c'est quand j'ai réglé les. Non, mais c'est pas un souci, j'ai baissé sur un Discord. Un truc fallait pas. Ouais, non. Et on corrigera ça plus tard. He's ok. Oui, ça ira. Est-ce que vous vous sentez de faire un peu le résumé de vos aventures précédentes, enfin du moins de votre dernière soirée ? Si c'est collégial et si les gens veulent bien m'aider, je me sens de le faire, il n'y a pas de souci. Donc la dernière fois, après avoir pourfendu les deux vieux sorciers aux multiples yeux dont les noms m'échappent juste là, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les appeler les gendarmes, mais ils ne s'appelaient pas gendarmes. C'était comment leur famille d'Arne. D'Arne. La famille d'Arne. D'Arne. Les gendarmes, donc. Donc après avoir pourfendu ces deux larrons aux allures de sorcier et après avoir pourfendu une belle Allemande au sommet qui s'est fait proprement égorger façon Joker, nous nous rendîmes après moult fouilles dans le manoir et après avoir rassuré Rose le Sage dans les souterrains de cette demeure, entre autres objets de torture et égouts mal famés et bouquins mal refermés, nous découvrîmes un passage dans les égouts dans lesquels étaient tapis quelques pendus et surtout une immonde créature plus grosse que les petits petite grenouille surnommée les Français par Thomas que nous avions affronté. Courageusement, nous bâtîmes en retraite histoire de ne pas nous faire laminer et nous nous décidâmes à foutre le feu à la fois au sous-sol, faire en sorte que tout s'effondre, puis sortant fort secoué par ce que nous, par ce qui nous était arrivé, nous mîmes le feu au manoir, à tout le manoir carrément. Et tandis que l'entièreté du groupe se redirigeait vers la ville de... Ah, ça y est, j'ai un trou sur le nom de la ville. Cherbourg. Et tandis que l'entièreté du groupe se dirigeait vers Cherbourg, Douglas Harper se décida à rester embusqué afin d'attendre et de voir Gaston d'Armes. Non, il ne s'appelle pas Gaston. Vincent. Vincent d'Armes, pardon, afin de voir si, hypothétiquement, il ne pouvait pas ou lui régler son compte ou au moins prendre des renseignements.
Et je pense que j'ai fait un résumé quasi exhaustif. Maintenant, à vous de rajouter ce qui manquait. Il y a peut-être quelques petits trous. T'as parlé de la baffe que t'as mis Rose Lesage ? T'as parlé du fait que Kiara a réussi à te moucher un bon coup ? Non, mais parce que ça voilà, c'est super fêtatoire, comme disait Rabelais. D'accord. Bon. Bah, du coup, ça semblait plutôt... Et vous aviez décidé de vos actions futures aussi, si vous vous rappelez, ou pas. Alors, mettre feu à la gare, faire diversion. Ça, je ne m'en rappelle pas, moi, perso. Tu ne te rappelles pas qu'on avait décidé de faire exploser les rails ? Il me semble qu'on avait décidé de faire exploser les rails, mais ce n'était peut-être pas notre action immédiate, non ? Non, ça, en plus, on l'avait décidé bien avant, on s'était dit que... Ouais, il me semble qu'on avait immédiatement ensuite décidé, bah, outre le fait d'attendre Vincent d'Armes pour voir s'il n'était pas possible de lui régler son compte à ce petit salopard, il me semblait que le plan que nous avions mis au point, en tout cas le dernier, c'était de capturer l'officier SS qui logeait, l'officier gestapiste, pardon. Jan Kluge. Jan Kluge, qui logeait non loin de la chambre de la pension de l'hôtel de ville centrale de Cherbourg, de lui régler son compte, de prendre son costume. Donc le but, c'était de faire un minimum de tâches sur le dit costume. Et... d'essayer de nous introduire, comme qui dirait, dans le siège de la Gestapo qui était à l'hôtel de ville, où serait retenu l'espion anglais. Il me semble que c'était ça, notre plan. Mais je peux me tromper. On avait peut-être arrêté un autre plan. Est-ce qu'on avait dit que du coup, il y avait une diversion qu'il y avait à faire en même moment et qu'il fallait Surtout qu'on a commandé plein d'explosifs au marché noir. Exact. Exact, exact. Je vous avoue qu'un déménagement est passé par là et que donc j'ai oublié quelques trucs. Voilà. C'était un peu en gestation, vos idées. Vous n'avez pas d'idées vraiment arrêtées sur le moment. Ouais. Dans mon souvenir, ça s'était terminé sur « on a foutu le feu au manoir ». Oui, ça c'était, oui. Et puis, on était là. Donc là, ça attendait le fameux Vincent d'Arne caché dans des buissons. Pendant que Rose Lesage récupérait un peu de santé mentale, hein, parce qu'elle avait pris un sacré coup au moral. Ah. Je peux reprendre de la santé mentale ? Eh bien, nous verrons si c'est le cas bientôt. Mais ce qui nous intéresse maintenant se passe dans vos passés respectifs à toutes et à tous. Est-ce que quelqu'un se sent d'attaquer son flashback ou est-ce que je choisis ? Ah, moi, je veux savoir ce qui arrive avec le poté. Très bien. Eh bien, nous rejoignons l'homme de la poté pendant que je change de musique pour quelque chose de plus horrifique. Alors, quelque chose de plus horrifique ? Ah, c'est bim, bam, boum, ça. Effectivement, c'est horrible. Attendez, est-ce que c'est le bon truc ? Ah oui. Alors, de façon à ce que la vidéo se déroule au mieux, je vais me rendre muet pendant le passage de... C'est que c'est chiant. Pendant le passage, très bien. Oui. Et alors, donc, nous avons décidé de nous aventurer dans le passé d'Henri Michel. Alors, où es-tu, Henri Michel ? Tu es là. Hop là. Tu t'étais réveillé d'un affreux cauchemar. Tu avais le livre, l'étrange livre à la couverture tout aussi étrange sur ton torse. Tu t'étais réveillé en sueur d'un horrible cauchemar. Où j'avais vu mon protégé se transformer en un flan à la menthe. Ah, dégueulasse. Attendez, la musique est bizarre. Hein. Ah, celle-là, par contre, elle n'est pas bizarre. Non, mais... je ne vais même pas la remettre. Mais où ? Attends, hein, qu'est-ce que je vais mettre on va mettre ça. Hop, voilà. Voilà. Et donc, tu avais trouvé qu'il manquait des pages à ce fameux livre et tu n'avais pas de nouvelles de Pierre Cotte et de Stanislas de Gaïta qui étaient invisibles à tes yeux. Et donc tu te réveilles en pleine nuit, avec ces pages manquantes.
Est-ce que tu sors de chez toi? C'est-à-dire, j'ai les pages qui manquent ou... Non, ou tu as le bouquin ou tu vois que des pages ont été arrachées. Ok. Et tu te réveilles en sueur et tu as le livre sur ton torse, mais... Tes yeux commencent à s'habituer à la pénombre. Mais tu sens que c'est une heure avancée de la nuit. Eh ben, tu ne vois pas ta femme également. Elle n'est pas à tes côtés. Vous voyez quelle heure d'après toi? Tu dirais qu'il est entre 2 et 3 heures du matin. Oh bah, elle doit être en train de commencer à préparer le pain pour le petit-déj. Peut-être. Eh bien du coup, le bouquin devrait être rangé du coup. J'ouvre ma table de chevet et puis je le fourre avec le reste des bouquins de soirée. En t'avançant, pour ranger le fameux livre, tu marches dans une espèce de chose un peu gélatineuse. Est-ce que tu marches pieds nus ou est-ce que tu as peut-être des charentaises ou des chaussons, je ne sais pas. En tout cas, tu marches dans quelque chose de gélatineux. Je pense que ce sont des espadrilles. Non, clairement non, il a des petits patins. Tu sais les patins pour parier les patins pour parier le parquet où tu glisses. Ah, je vois très bien, oui. Ok, bon, bah, j'ai des patins alors. Et tu vois que cette chose un peu gélatineuse, comme si on avait renversé, je sais pas, on avait marché dans du lard ou des choses comme ça, enfin dans du gras en tout cas. Eh bien, c'est une couleur un peu rose verdâtre. Mais c'est dégueulasse. Et au bout de cette masse un peu gélatineuse, tu aperçois une perruque. Enfin, tu sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est des cheveux. Bah, visiblement, je dois pas être très en forme et je dois encore être en train de dormir. Du coup, bah écoute, je me recouche. Hein. Tu te remets dans ton lit. Tu essayes de te rendormir, pensant que c'est un simple rêve. Les heures passent, tu n'arrives pas à te rendormir. Et à un moment vient une odeur un peu désagréable à tes narines. Et qu'est-ce que ça sent ? Tu as déjà connu un peu cette odeur-là, tu avais trouvé un cadavre de chat quand tu étais plus jeune. En décomposition, c'est la même odeur. Ah bah, ça doit être ma femme qui est en train de préparer des tartines de surstorming. Un plat bien consistant pour le matin, pour te mettre bien en forme pendant ta journée. Bon, c'est l'odeur du maroilles, ça. Non. Le maroilles, ça pue pas, monsieur. Tu essayes de te rendormir à nouveau ? Bah, je pense pas, si c'est passé des heures et que la dernière fois il était deux heures... Tu vois que le soleil commence à se lever, en effet. Avec cette odeur dans tes narines, très désagréable. Odeur de décomposition, de pourriture. Bah écoute, je vais me lever. Hein. Je pense qu'il est l'heure, de toute façon. La masse gélatineuse avec ses cheveux au bout est toujours là, toujours présente. L'odeur vient un peu de là, mais partout dans la maison, en fait. Toujours pas de traces de ta femme. Écoute, je vais ouvrir la fenêtre pour aérer. Hein. Et en t'approchant pour aller dans le salon, tu t'aperçois qu'il y a une autre masse informe gélatineuse. Eh ben... Fais-moi un jet de... Trouve objet caché, s'il te plaît. Pour trouver le tablier de Micheline. De Maïté, pardon. Ah, un peu de ça. Je trouve que dalle. Tu ne vois pas ce qui arrive derrière ton dos et tu te sens un peu projeté au sol. Par une force, tu ne sais pas. Comme si on te poussait dans le dos. Tu tombes à la renverse sur cette masse un peu gélatineuse. Bah, c'est dégueulasse. Tu te retournes, tu vois Pierre Cotte en sueur,
couvert de cette masse un peu gélatineuse. Bah enfin. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Oh Michel, qu'est-ce que tu nous as fait ? Qu'est-ce que t'as fait à ta femme ? Qu'est-ce que t'as fait à cet occultiste ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as fait un truc avec ce bouquin ? Bien sûr que non. Et tu vois qu'il essaye de t'attraper pour t'étrangler, tu sais, pour... Tu les as tués, Henri Michel ? Il est solide à quel point ? Il est gélatineux aussi ? Non, c'est plus comme s'il était recouvert de... Enfin, il a quelques bouts de cette masse gélatineuse, mais il est pas englué, quoi, si tu préfères. Ok. Enfin, Pierre, qu'est-ce que tu fais ? Et puis, dans quoi tu t'es fourré ? Allez, et puis du coup, bah, je l'attrape par les épaules et puis je l'emmène vers la salle de bain. T'as récité cette formule, t'avais les veines saillantes qui devenaient verdâtres. Je sais pas ce qui se passait. T'as fait quelque chose à ta femme. Oh, je pense que toi aussi t'as mangé de la potée, visiblement, et tu es plus très fraîche. Hein. Allez, hop. Et puis du coup, bah, je continue à emmener vers la salle de bain pour le débarbouiller. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Intelligence. Et au moment où Pierre Cotte te fait ce laïus, tu te rappelles un peu. Tu te rappelles, t'es réveillé en pleine nuit, en effet, le bouquin sur ton torse. Bah oui, je me souviens, c'était il y a 6 heures et j'ai pas réussi à m'endormir. Je te rappelle que c'est toi qui as arraché ces pages manquantes. Tu les as cachées. J'avais tant besoin que ça que de PQ. Et tu te rappelles en effet que ta femme est venue voir un peu ce qui se passait. Et tu as lancé un sort, un sortilège sur ta femme qui provenait de ces pages. Tu as voulu essayer. Tu es un homme de foi et tu as essayé ce rituel. Après tout, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on peut risquer ? Bah, visiblement, de la potée. Ouais, ce que j'ai dit. Et tu te souviens de la potée. J'imagine vraiment le sortilège où, en fait, tu sais, c'est juste, ça matérialise ce que le mec veut vraiment. Et le mec, juste, il voulait de la potée, il a transformé les gens en potée. À connaissant Henri Michel, bon. c'est forcément... En fait, c'était pas une odeur de putréfaction, c'était une odeur de potéfaction. Et en tout cas, en lançant ce sortilège, tu as vu, en effet, que... Sur tout ton corps, sur toutes tes veines, elles émettaient une lueur verdâtre un peu. Et tes yeux devenaient un peu verts. Ça doit être vachement la classe en soirée. C'est vrai, ça fait de la lumière. Et tu as vu ta femme littéralement se faire asperger d'une chose un peu verdâtre, de la même couleur. Pendant un instant, j'ai eu très très peur. Non, on se calme. Et tu as vu cette chose la ronger de l'intérieur. La dissoudre. Oh merde, mais c'est dégueulasse. Ok, donc c'était pas une giclée de potée, d'accord. Plus tard, tu marches dans ta maison. Tu tombes sur Stanislas de Gaïta et Pierre Cotte en pleine discussion. Affolé, il voit ton état et ton changement physique. Tu vois que tu fais la même chose à Stanislas de Gaïta. Ouais. Pris d'une folie meurtrière. Et là, tu te sens vouloir faire la même chose à Pierre Cotte, ton meilleur ami, ton protégé. Mais non. Tu vas me faire un jet de santé mentale pour savoir si c'est non. Ok, il meurt. C'est non, meurt oui. Oh bah zut alors. Et tu vois que tu te mets à murmurer tout d'abord un langage inconnu venant de ces pages, une phrase, ou du moins une suite de phrases incompréhensibles dans un langage cryptique, mais que visiblement tu connais. Alors, je vais poser tout de suite une question. Oui. Ça veut dire que j'ai une... C'est une question d'importance. C'est une question d'importance. Ça veut donc dire que j'ai une excellente mémoire, hein. Eh bien, en tout cas, tu t'es souvenu de ces événements traumatisants, oui. Ok, je prends note. Est-ce que je me souviens de ce que j'ai dit, du coup, à ce moment ?
Tu te souviens, la phrase est dans ta tête, la suite de phrase est tout à fait claire dans ta tête. Tu pourrais la... D'accord, donc... Oui, je vois où tu veux venir, où tu veux en venir, t'inquiète pas. Ok, y a pas de soucis, c'était juste pour être certain de savoir oui, si on potentiellement sait bien je compris, connaissais encore le sort de putréfaction. Tout à fait. Et du coup, tu vois aïe, aïe. Ton ami Pierre Cotte se faire recouvrir de ceci. Ah, oh, c'est dégueulasse. Hop là, voilà. Nice. Et tu le vois se le faire blob. Dissoudre et devenir une masse gélatineuse, sans eau, sans peau, sans tissu organique. Eh ben c'est bien sale. Écoute, du coup, vu visiblement, je suis en... Oh putain, cette vanne, quoi. Bien, visiblement, vu que de toute façon, j'ai bien l'impression de n'avoir absolument aucun remords, hein. Eh ben, je pense que je vais aller au niveau du... Comment s'appelle Ah, je vais aller au niveau du placard à balai, je vais récupérer tout ce qu'il faut, et puis j'ai commencé à nettoyer. Hein. Très bien. Tu peux noter dans ta fiche de personnage que tu possèdes maintenant un sort avec un nom inconnu pour toi, mais qui fait cet effet. Qui va être marqué le sort de putréfaction. Tu mets ça dans sort ou je sais plus c'est quoi sur la fiche. Attends, mais t'as un truc pour noter les sorts. Là. Il me semble. Option. Sinon tu mets dans notes, c'est pas très grave. Tu notes que ce sort te coûte 10 points de magie pour le lancer. Et tu nettoies ces masses gélatineuses. Je ne sais pas si tu as quelques remords avec la perte de ta femme et de ton meilleur ami. Ça fait chier, elle faisait quand même une super potée, quoi. Tu nettoies comme tu peux, tu fais vraiment un travail minutieux. La cuisine de ta femme te manque, mais néanmoins, tu t'habitues. Tu es un homme un peu nouveau maintenant, tu connais quelque chose d'autre, de différent. On n'a pas été homme-femme hein, pour des tâches ménagères. Quelques jours plus tard, tu entends toquer à ta porte. J'entends quoi? J'entends toquer tu entends toquer à ta porte. Ok. C'est Marlène Schiappa. Voulez-vous faire la couverture de Playboy avec moi? J'ai un contre-feu allumé. Attendez, s'il vous plaît. Et tu vois un homme très bien habillé, avec un sourire charmeur et un regard sévère. Un port altier, une musculature, ma foi. Alors, c'est pas Schwarzenegger, mais un homme assez musclé. Ok. Et tu le reconnais, enfin, du coup. Que le flashback se finit, tu reconnais en effet. Tu le préconnais. Tu le préconnais. Alors, aïe, attends. Aïe, aïe. Tu le reconnais puisque c'est le fameux N. Ok. Vous avez des capacités qui peuvent nous être utiles, monsieur Dupont de Savoie. Alors, je sais que j'ai une recette de potée fantastique, mais de là, je ne pense pas que ce soit un don des plus impressionnants pour autant. Est-ce que cela vous dirait de travailler pour les services britanniques, d'aider un peu votre patrie, d'aider aussi les Britanniques aussi? Non, je suis désolé, je suis déjà beaucoup trop pris par mon travail à l'Assemblée. Mais j'apprécie très fortement votre proposition. Est-ce que vous voudriez apprendre plus de choses sur l'occulte? Si vous travaillez pour moi, ce sera tout à fait possible.
Oh, l'hameçon qui passe. Oh, mon Dieu. Ah, le salaud. Je dérive si je veux, monsieur. Est-ce qu'il a l'air sincère dans sa proposition? Fais-moi un jeu de psychologie. Alors, ça, ça devrait bien se passer. Je psychologise grave. C'est une réussite. Une réussite moisie, mais c'est une réussite. Tu sens qu'il essaye de trouver vraiment le bon hameçon pour t'attirer à sa cause. Et bon, il a vu qu'en effet, l'occulte, ça t'avait attiré. Et du coup, il est tout à fait honnête. Ok, c'était le... C'était surtout, est-ce qu'il faisait ça dans... Est-ce que ça sentait l'arnaque, quoi? Non. Mais du coup, bah, t'as répondu. Eh bien, écoute, je vais me laisser tenter, hein. Eh bien, rendez-vous à Londres dans un mois. Eh bien, un lieu spécifique Oui, il te donne l'adresse où vous êtes tous donné rendez-vous. Ça marche. Eh bien, du coup, j'empoche l'adresse et puis... Et puis, je lui souhaite une bonne journée. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, le Henri Michel de maintenant, du coup, qui a vécu tous ces événements et qui est à Cherbourg maintenant, se souvient. Se rappelle. Ce qui va se traduire par tu vas gagner 3 points de mythe de Cthulhu. La violence. Et alors, aussi, tu vas me choisir une compétence à augmenter. Mythe de Cthulhu. Non, sauf c'est-à-dire mythe de Cthulhu. Une pour la cocher pour te faire une tentative en fin de scénar. Non, pour non, faire pour maintenant. Augmenter maintenant. Augmenter maintenant. Ce serait une augmentation de combien de points? 3. Non, c'est tu lances 1 des 10 et puis 3. Qu'est-ce que j'ai comme stat tout dégueulasse? Une statistique, elle peut pas dépasser les 90 hein, dans mon souvenir. Oui. Non. Sauf à être un grand ancien. Ou un autre truc. Et je suppose que je ne peux pas choisir le mythe de Cthulhu. Non. Bah, t'as, non. T'as déjà gagné 3 points, c'est bien. Ah bah oui, mais bon. Bon, au pire, laisse-le choisir tranquillement. Ouais, je... Oui, je passe à la suite. Ça marche. Est-ce que parce quelqu'un que le temps veut que tu lances tout de suite. Vas-y, lance-moi, Bana. Lance-moi comme jamais. Ok. Thomas Harper. Tu montes d'un point dans la compétence dont je ne sais pas ce que tu as choisi. Ah, bordel. Compétence potée. Non, Douglas Harper. Non, j'ai menti. Douglas Harper, bien évidemment. Oui. Alors. On s'était arrêté. Tu avais cette femme qui te disait de courir, de t'échapper. Ouais, ouais. Car des choses venaient du ciel pour toi, visiblement. Tu devais affronter ta plus grande peur. Et moi qui hésitais à la buter. Et j'avais dit que ma plus grande peur, en vérité... Est-ce que... Alors, je crois que j'étais dans l'hésitation, dans la plus grande peur, et je vais consulter Thomas Harper à ce niveau-là. Je suis désolé. Est-ce qu'il peut y avoir eu une histoire glauque dans notre famille à base de... Non, je me dis que non. Ça fait trop misérabiliste, à mon avis, scénaristiquement parlant. Qui est un truc, tu vois, bien glauque à base de... Je me suis fait toucher Louis-Louis sous la douche ou un truc du genre. Oui, alors pour... sous la douche, hein, mais... ça ne peut pas parce qu'il n'y avait pas de douche. Voilà. Oui, non, mais je sais, mais tu as compris ce que je voulais dire. En gros, non. J'avais dit que ma plus grande peur. On va considérer. Est-ce que je me souviens de ce qui s'est passé avant? Parce que temporellement parlant, moi, de ce que j'avais situé, il avait déjà fait la campagne de Norvège et du coup, il allait partir pour réembarquer, du coup, pour repartir au combat. Mais je ne sais pas si ça te va, Bana. Tu vas pour repartir en Norvège, c'est ça? Bah non, la campagne de Norvège étant terminée, il va pour être mobilisé sur le front africain. D'accord. Mais après, ça si place l'action si t'as un très événement peu traumatisant, de temps avant de... Si tu as un événement traumatisant qui t'arrive en Norvège,
C'est ça, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'en Norvège, pour le coup, il y a vraiment des événements traumatisants, plusieurs événements traumatisants, quoi, je veux dire, la campagne de Norvège. Mais après, c'est à toi de me dire si... Parce que la campagne de Norvège, elle est du 9 avril au 10 juin 1940. Parce que je crois que tu avais dit que tu n'avais rien qui te venait à l'idée. Je crois que c'est là que les formes étaient apparues du ciel, mais je peux me tromper. Ouais. Non, c'était pour ça. C'était est-ce à qu'on la limite, rétro-pédale ou en fait, est-ce qu'on... C'est-à-dire, s'il a fait la campagne de Norvège, j'ai de quoi. Mais il faut que du coup l'action soit entre le 9, comme tu m'as pas donné de temporalité parce que c'est flou, etc. Si c'est après le 10 juin 1940, donc en gros si c'est après, on peut dire que c'est en septembre 1940 ou un truc comme ça. Là à ce moment-là, il peut avoir vécu des trucs, il peut se réembarquer pour justement, il peut être en train de repartir pour l'Afrique. Sinon, c'est plus difficile. Donc je non, me vas-y, souviens bah, plus si de t'as quelque chose qui te vient en tête sur la campagne de Norvège, vas-y. Hein. Ah oui, à ce moment-là, il y a un moment, il y a bien évidemment, il a des peurs qui sont liées au combat. Et il est arrivé dans un petit village, son unité est morte, et lui a été le dernier à survivre. C'est pas vraiment ça ce qui lui a fait peur. C'était qu'arrivant dans un village, il a vu justement les massacres, les ravages de la guerre sur les civils. Et c'est la chose qui le terrifie le plus, c'est l'image d'une petite fille au visage à moitié dévasté, moitié explosé, le crâne à moitié étalé par terre. Et puis voilà, c'est déjà pas mal comme peur. Alors, pour les amateurs d'histoire, normalement, la campagne de Norvège, il n'y a pas vraiment trop de civils qui meurent. Mais bon, je me suis dit que ça faisait un truc assez sympa. Et sinon, j'en avais une deuxième. Non, ça me va, t'inquiète, c'est bon. Mais je vais quand même dire la deuxième, parce que comme ça, tu vas pouvoir faire le... Non, ça me va. Non, mais je vais quand même la dire. Oui, vas-y. Du coup, il y a un moment où en Norvège, et il ne se l'explique pas, il s'est retrouvé en face d'une ruine avec des inscriptions marquées au-dessus et un grand portail rouge en souterrain. Et il ne sait pas pourquoi, mais les mots « la cité cinabre » se sont imprimés en lui et il a eu une peur horrible de cette porte et des escaliers qu'il y avait derrière. Et il sait qu'il y avait des escaliers derrière alors qu'il n'a jamais ouvert la porte. Et du coup, il est reparti. Voilà. Ça t'en fait deux comme ça. Tu vois la silhouette de cette femme qui s'estompe et qui devient un brouillard. Brouillard que tu connais plutôt bien maintenant. Et tu sens l'odeur de... Tu sens une odeur de brûlé, une odeur aussi de poudre. Tu entends des cris au loin. Des bruits de pas, comme si on courait. Quelques explosions peut-être. Peut-être des bruits de chars d'avion. Des bruits d'avion. J'essaye de reconnaître l'endroit où je suis. Le militairement parlant, je me précipite vers un trou. J'essaie de me jeter dans un trou pour avoir le minimum de prise face aux balles, etc. Puis essayer de en effet, tu entends les balles qui sifflent, Tu as toujours ce brouillard qui t'entoure, mais tu reconnais que tu es dans un espèce de quartier résidentiel. À un moment, tu vois un panneau d'une ville écrit en norvégien. Tu te rappelles être en Norvège. Tu cours. À un moment, tu tombes à la renverse, tu te mets dans un trou, tu te carapates. Les balles sifflent autour de ton casque. Tu sens que tu es fatigué, ton équipement te pèse. Tu as un fusil en bandoulière en main. Ton frère n'est pas là pour te rassurer. Tu es tout seul. Ta famille te manque. Jamais eu besoin de mon frère pour me rassurer. Par contre, mes troupiers, mes hommes, ça me fait chier. Tu vois des figures un peu sans visage qui marchent à côté de toi, qui ne te voient pas. Certains... Guys. Du coup, je les aile. J'essaie de leur dire « Qu'est-ce qui se passe ? Faites-moi un rapport de la situation, qu'est-ce qui se passe ?»
Ces formes sans visage ne te voient pas, ne t'entendent pas. Putain! Et à un moment, tu entends. Écoutez les gars! Tu entends comme si la terre grattait, comme si on grattait de la terre, tu sais, avec des doigts. Avec... où ça? En dessous de moi? Non, plus au niveau du sol, proche de toi. Comme si on s'approchait de toi en grattant de la terre, tu vois, comme si on rampait en fait. Je me précipite pour essayer d'aider, pour essayer de gratter s'il y a quelqu'un qui. Il y a des décombres autour de moi? Ah oui, il n'y a que ça. Ouais. Ok. Et tu sors de ton trou, tu t'approches de cette forme qui a l'air d'avoir besoin d'aide, peut-être, selon toi. Tu reconnais une chevelure blonde, un corps assez petit, une petite fille visiblement. Tu ne vois pas son visage, elle a le visage enfoncé dans le sol et elle gratte, elle rampe avec ses mains. Ça fait un bruit horrible parce que vraiment tu as le bruit des ongles qui rentrent dans la terre. Tu vois qu'elle est en sang, ses vêtements sont sales, pleines de poussière, tu vois quelques taches de sang. Visiblement, son pied droit lui manque, tu vois qu'il y a un moignon. Et la forme s'approche de toi tout doucement. Du coup, je reconnais l'enfant que j'ai vu. Je reconnais l'enfant que j'ai vu dans un petit village où normalement il n'était pas censé y avoir de civils, où ils étaient tous censés avoir été évacués. On était trop au nord et il n'y avait que des militaires là normalement. Et c'était ce qu'on nous avait dit. Et du coup, générateur de nom Ikea pour les villes. Handelshanglog. La petite fille est à un mètre de toi maintenant, elle s'arrête. Je suis tétanisé de toute façon, je bouge pas. Elle a l'air consciente qu'il y a quelqu'un devant elle. Elle a l'air vivante ? Oui, mais en très mauvais état. Et tu vois en fait qu'elle ne rampait pas avec ses deux mains en fait, enfin ses deux bras, et qu'elle rampait avec un seul bras. Et tu vois que l'autre tient quelque chose dans ce bras droit. Je me précipite vers elle. Ça me prend encore 7-8 secondes avant de te sortir de ma torpeur, mais je vais vers elle. Je la regarde, je fais ça va petite. Puis j'essaie de. Pourquoi vous avez pas évacué comme les autres? Et là tu vois enfin son visage qui se relève vers toi. Un visage cauchemardesque. À moitié brûlé, la bouche qui pendouille, la mâchoire à nu, tu vois les dents, la mâchoire vraiment à nu, tu vois un œil éclaté, les cheveux brûlés, même si tu reconnais un peu la blondeur de cette chevelure. Et tu vois que le bras tient une poupée que tu reconnais. C'est la poupée que tu avais déterrée dans le trou. Et du coup, je la serre contre mes bras et c'est juste pardon. Dans un dernier geste, et tu peux me faire un, fais-moi un... trouve bien. Intimement, je sais que c'est la grenade que j'ai jetée qui les a butés. Fais-moi un jet de trouve objet caché, s'il te plaît. Je fais un jet de toc. J'arrive, je toc. Je toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Je ne toque rien du tout. Tu ne perçois pas au dernier moment que, dans un dernier effort avant de mourir dans tes bras, elle te plante avec une épingle à nourrice. De toute façon, je pleure toutes les larmes de mon corps. C'est à peine si tu sens la douleur, mais tu vois que du sang perle. En tout cas, de ton bras. Fort. Le corps complètement agité de sanglots. Pardon. Et je me berce de haut en bas. Et tu te sens un moment partir, t'évanouir. Tu t'allonges proche de ce corps. Tu ne vois pas puisque tu es inconscient, mais le brouillard t'entoure.
te réveilles. Tu es sur une rue piétonne, tu entends des gens qui parlent à côté de toi, tu entends une fontaine également. Tu es assis sur un banc. Il y a des gens qui prennent leur thé matinal, tu as une odeur un peu de boulangerie également, l'odeur de bière même, il y a un bar proche de toi. Je cligne des yeux. L'odeur de tabac aussi. Qu'est-ce que je fous là, bordel ? J'attrape un passant, le premier que je vois. Un mec qui passe comme ça dans la rue, un ouvrier, peu importe, je regarde, je fais « Vous avez vu la petite fille ? Vous avez vu la fille ? Où est-ce qu'elle est ? Vous l'avez emmenée à l'hôpital ?» Comment ça, monsieur ? Vous avez perdu votre enfant ? Vous voulez qu'on la retrouve ? Non. Je le repousse. Je me barre. Je titube un peu à droite, à gauche. J'ai mon barda sur moi. T'as tout ton attirail de soldat, ouais. Je prends une rue. Je prends une rue au pif à droite en essayant de me repérer. T'es dans une ville que tu ne connais pas, mais c'est une ville tout à fait anglaise en tout cas, britannique. Les noms des rues sont écrits en anglais. Je cherche une ruelle un peu plus tranquille. Ouais, tu trouves facilement. Je me pose dans un coin. Mm-hmm. Je m'assieds. Je sors mon arme. Je sors le pistolet que j'ai à ma ceinture. Mm-hmm. Je soupire. Les larmes coulent sans vouloir s'arrêter. Je porte le pistolet à ma bouche. Et je reste là, tremblant. Et j'essaie de tirer. Tu entends le clic, 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 clic. Ton arme n'est pas chargée ou simplement ton arme est enrayée. J'ai la main qui tremble. J'essaie d'ouvrir l'arme. Pour voir ce qui déconne. Tout en pleurant, agité de sanglots. Fais-moi un jet de science militaire, s'il te plaît. Chier. Pour toi, ton arme n'est pas hors service, elle a l'air de tout à fait bien marcher. Je change le chargeur. Je regarde si j'en ai un autre. Je nettoie les balles. T'en as un autre, ouais. T'as même un nécessaire pour nettoyer ton arme, pour la démonter, etc. Je prends pas le temps de la démonter, juste je change de chargeur et je réappuie. Lance-moi un décent, s'il te plaît. Tu te tires où précisément dessus ? Dans la bouche. Ok. La balle traverse ta mâchoire. Tu t'évanouis sous la douleur. Tu ne sais pas si tu as réussi à te tuer ou pas. Tu tombes dans la conscience. J'accueille la conscience avec soulagement. J'ai une dernière pensée pour mes frères et mes sœurs. Assez fugace pour mes amis. Et si tu me laisses 5 secondes, juste. J'ai une dernière pensée pour une Française rencontrée quelque part au Maroc, dont le médaillon est toujours autour de moi, autour de mon cou. Ok. Tu te réveilles dans un lit d'hôpital. Tu es en tenue d'hôpital. Le décor est tout à fait blanc, immaculé. Tu es perfusé. Il y a des formes autour de toi, plusieurs. Tu commences à émerger, tu as un peu de la brume dans les yeux, mais ça commence à s'estomper. Tu touches un peu ta mâchoire.
Tu sens quelque chose de différent, mais néanmoins, ça fait pas mal. Et quand tu émerges de ton, de ta torpeur, tu reconnais tous tes frères et sœurs. Sauf un. Il manque Thomas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Douglas? Qu'est-ce que t'as fait, putain? Ça va pas te tirer dessus? Est-ce que je suis en état de répondre? Sachant que je dois être sous morphine, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Tu peux marmonner, moi. Ah oui, hein. Bon. T'as un peu la voix comme ça, quoi. Ouais. Je suis fatigué. Pourquoi vous êtes pas... Qu'est-ce que vous faites là? Encore un rêve? Mais non, c'est pas un rêve. Tu racontes, on t'a ramené même des patates et tout de la ferme. Mal, j'ai soif. Ouais, j'ai soif. Tu vois qu'il y a un de tes frères, il dit à la fermière de se pousser. Oui, tu veux que je te donne la liste des frères? Oui, vas-y, oui. Bah, donne-moi un nom au pire. C'est... Attends, comme ça t'as le choix. Sachant qu'il y en a qui sont engagés dans l'armée aussi, hein, normalement. Donc, le plus filou de tes frères, c'est qui? Le plus filou? Ouais. C'est Buggy. Bah, tu vois Buggy qui essaye un peu d'amener une infirmière à l'écart, et puis l'infirmière bon, elle dit bon bah oui, c'était en famille, pas de problème. Et avec il te tend une flasque. Tu reconnais l'odeur de l'alcool, du gin. Ah, bois ça, vas-y, bois. T'es toujours pas dans l'armée, toi? Ah bah vu ta gueule, je vais pas m'engager, non. La contrebande. Et t'as eu de la chance parce que t'as été récupéré par quelqu'un, par les Anglais en plus. Je sais pas, ils t'ont rafistolé. Là, on est en Angleterre, là, actuellement. On a fait le voyage jusqu'ici. Bon. Je me suis battu pour eux. Vous êtes tous partis de la ferme. C'est complètement con, bordel. Ouais, putain, on a pas de nouvelles de Thomas aussi. On a pas ce qu'il faut. Et pareil, sa petite famille parfaite, lui. Bah, je sais pas, sa femme a dit que ça fait 2 jours qu'il a disparu, on sait pas où il est. Je sais pas, j'ai mal au crâne. Et là, t'as une souhaite qui est au fond de la pièce, que tu n'avais pas vraiment remarqué, qui était un peu cachée dans l'ombre, qui... Pardonnez-moi, si je peux intervenir. Tu vois un homme en uniforme militaire anglais... Il a l'air d'avoir un grade plutôt élevé. Il a quelques médailles accrochées à son torse. Clairement, pour décrire Douglas, de toutes les façons, il y a une blouse blanche. Ça fait longtemps qu'il doit être un peu assommé, donc il n'a pas dû... clairement, on l'a changé, mais il doit y avoir une odeur un peu âcre d'urine et de ces choses-là. Quoi. C'est une odeur d'hôpital. Le mec est KO. Absolument KO. En tout cas, ta famille n'en fait pas. Même pas faire de salut militaire. N'en fait pas acte. Donc... Non, on a grandi dans une ferme. Je peux te jurer que l'odeur d'urine, on est habitué, ça va. Monsieur Harper, je me présente. Je suis le colonel N. Colonel. Vous êtes un soldat exemplaire, monsieur Harper. Je suis en parallèle la carrière de votre frère tout aussi impressionnante, même si totalement différente. Vous avez des qualités remarquables, vous avez vécu des choses un petit peu étonnantes, perturbantes, j'imagine. Ah, la guerre, ça change quelques soldats, je peux tout à fait comprendre. Est-ce qu'en tant que Britannique, vous seriez intéressé à aider votre empire? Attends, 2 petites secondes. Je me souviens plus de mon grade, mais je crois que je suis capitaine, il me semble. Je sais plus si je suis capitaine ou caporal. Je crois que c'est caporal, en l'occurrence. Caporal commando. En tant que soldat, monsieur, toujours prêt à servir. Même si je crois que je vous serai pas très utile. Je devais m'embarquer sur... Non, vous me serez très utile si vous êtes prêt à vous salir les mains, bien entendu. J'ai mes ordres de mission, colonel. Sans vouloir vous manquer de respect, mon pays m'a appelé à servir.
Ah, mais vous savez, j'ai contacté vos supérieurs, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste d'un oui de votre part et vous appartenez au SOE. Et vous serez sous mon commandement. J'irai là où mon pays a besoin de moi, colonel. Eh bien, vous serez détaché dans toute l'Europe, ne vous inquiétez pas. Je vais formuler la même proposition à votre frère. J'espère que il dirait oui également. J'en doute pas, colonel. Ça a toujours été le... Eh bien, écoutez. Bon, petit soldat. Ne parlez pas plus, je vois que vous êtes souffrant, je vais vous laisser. Dans un mois, vous... Je tends la main vers Buggy pour rechoper du jean ou ce qui m'a amené. Je sais pas ce que c'est. Ah, du jean. Ouais, tiens, vas-y, reprends-en. Ouais. Avide pas tout d'un coup. Bon, écoutez, dans un mois, nous nous reverrons. Je vous donne rendez-vous à Londres. Et en attendant, soignez-vous bien. J'essaye un salut militaire en partant, qui donne quelque chose d'assez pathétique puisque j'ai la flasque en main et que j'en renverse la moitié sur l'oreiller. En retour, il te fait un excellent salut militaire, qui a des années d'expérience. Il ne tremble pas. Douglas will remember this. Et comme notre cher Henri Michel, tu vas te choisir une compétence améliorée. Et tu vas gagner 3 points en mythe de Cthulhu. J'ai fait 3. C'est 2 de plus que Nia. Je fais mon petit truc tranquille. T'inquiète. 3 en mythe de Cthulhu, c'est ça? Oui. Ok. Et 3 dans une autre compétence au choix. T'inquiète, je fais ça. Qui veut se lancer ensuite? Bah vas-y, hein. Okay. Rose le sage. Non. Ça c'est pas ça. Hop, voilà. Il est... Hop là. Rose, nous t'avions... Putain de Suisse. Nous t'avions laissé, en effet, peut-être en Suisse, peut-être ailleurs, mais en tout cas, dans un cadre montagnard, tu étais dans un chalet, tu avais... Visiblement, tu es quelqu'un. Et tu étais en quête, visiblement, d'un homme nommé Roger Zabiel, ambassadeur suisse. Le corps que tu avais visiblement tué n'était pas Roger Zabiel, mais était un Français. Henri Michel. Non. C'est bon pour moi, j'ai amélioré la science militaire. Le commandement, pardon. Ok. On te retrouve avoir nettoyé l'épreuve, avoir enterré le cadavre. Que décides-tu de faire ensuite, Rose? Je trouve de quoi boire et manger, puis je pars à pied trouver, me casser de cet endroit maudit. Tu marches. Et tu vois au loin un espèce de petit village, tu retrouves un peu la civilisation. Et tu vois quelqu'un qui est en train de visiblement nettoyer une arme, tu vois, a l'air d'être un militaire. Pas forcément quelqu'un d'ici, tu ne reconnais pas trop les habits. C'est pas un militaire français, c'est pas un militaire suisse en tout cas. Tu vois qu'il est plutôt gradé. Et visiblement, il a l'air d'attendre quelqu'un sur le chemin. J'essaie d'esquiver son regard, de passer sans qu'il me voie. C'est moi, j'ai de discrétion. Tu es plus perturbé par les événements passés, tu essaies d'être discrète, de reprendre un peu l'entraînement que tu avais eu. Mais visiblement, ce n'est pas assez efficace. Il a le regard perçant, et visiblement en Louis Fine, il t'entend, et il t'aperçoit. Ah, mademoiselle le sage, je vous attendais. Vous n'êtes pas une personne... Comment dire ? Vous n'êtes pas une personne facile à trouver, dirons-nous.
Vous comptez vous cacher si. Encore très longtemps ou... Qui vous dit que je me cachais? Écoutez, ça fait une semaine que je vous cherche ici et c'est seulement maintenant que je vous trouve. Loin de là de me lancer des fleurs, mais je suis plutôt doué pour retrouver les gens et vous êtes une souris assez difficile à attraper. Et vos compétences... Parce que vous dormez, vous pouvez me parler comme ça? Non, pardonnez-moi mon comportement. Je me présente, je suis le colonel N du SOE. Je suis un... Connais pas. C'est un service secret britannique. Tu vois qu'il te parle au fait un excellent français, d'ailleurs. J'aimerais recruter votre personne dans nos services. Je suis une métallurgiste de Paris, je vois pas de quoi vous parler. Non, pas de ça avec moi, mademoiselle Le Sage. Je vous suis un peu de J'ai loin. J'ai un grand sourire, mais je fais un oui de la tête. Je vous suis un peu de loin. Vous savez que la personne que vous recherchez tant, qui avait disparu, visiblement qui est réapparue, on ne sait trop comment, est morte. Qui ça? Je parle de votre mentor, monsieur Stanislas de Gaïta. Ah, c'est malheureux. Il est mort assez atrocement, je dois dire, sans rentrer dans les détails, qui reste du secret. Il s'est défense. Fait potifier. Mais vous avez un parcours qui laisse beaucoup de cadavres derrière lui, mademoiselle Le Sage. Comment vous savez ça si vous n'arrivez pas à me trouver depuis des semaines? Vous ne connaissez pas mon parcours? Peut-être, mais je vois les cadavres que vous laissez à côté de vous. Tout le monde meurt un jour ou l'autre. C'est pas parce que des gens que connaissent meurent que c'est forcément de ma faute. Vous savez que l'information est une arme, mais je maîtrise l'information, mademoiselle Le Sage. Je sais après qui vous avez... Après qui vous avez... qui vous chassez. Si vous rejoignez mes j'enlève services... Mon sac, si vous rejoignez j'enlève mon sac, je m'assieds dessus et j'attends que tu continues. Ok. Si vous rejoignez nos services, vous... Vous obtiendrez peut-être quelques informations sur votre cible. Et s'il s'avère en effet qu'il fait partie de quelque chose d'un peu occulte, vous avez toute autorité pour y remédier à votre manière, mademoiselle Le Sage. Vous savez, notre service s'occupe d'aider à la guerre, mais également d'enquêter sur des événements étranges. Et nous avons besoin Pourquoi vous venez me chercher moi pour ça? Puisque vous êtes la meilleure dans votre domaine, mademoiselle Le Sage. Trop flatteur. Vous usurpez l'identité d'autres, vous faites passer pour autre chose. Vous interrogez des suspects... plutôt bien, j'espère, j'imagine, peut-être. Et vous avez l'amour de votre pays également, à cœur. Et qu'est-ce que ça me rapporterait, ça? Eh bien, comme je vous ai dit, des informations sur ce Roger Zabiel, et puis peut-être des réponses à vos questions. Et je fais appel un peu à la petite fille qui est en vous. Je ne vous vois pas être métallurgiste toute votre vie. Vous n'aspirez pas à ça. Là, tout de suite, j'aspire surtout à un bon lit et un grand verre d'eau. Mais... Eh bien, suivez-moi. J'ai loué un hôtel à Lausanne. Tendu. Un peu résigné, Lucie. Bien, je vous paye la nuit pour cet hôtel. Et puis, rejoignez-moi à Londres dans un mois. Nous allons commencer notre petite
entente cordiale. Pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. J'ai juste envie de partir de ce pays de merde. Eh bien, c'est entendu, mademoiselle le sage. Et donc, tu passes une excellente nuit dans un très bon hôtel à Lausanne. Et, bah, comme les autres, tu gagnes 3 points en mythe de Cthulhu. Et tu choisis une compétence améliorée ou tu lances un des 10 pour savoir le nombre de points à attribuer dans cette même compétence. J'ai le droit d'arriver à 10 en mythe de Cthulhu. Mais oui, Jamy, dans cette même compétence, t'as eu une voix, c'est pas sorcier, c'était génial. Un des 10, t'as dit ? Tu ne peux pas améliorer le mythe de Cthulhu, par contre. Mais Attends, tu m'as dit que je gagnais 3 points en mythe de Cthulhu. Oui, tu gagnes 3 points en mythe de Cthulhu. Et tu choisis toutes les autres compétences, sauf mythe de Cthulhu, mmh. Et tu en choisis une que tu veux améliorer. Okay. Y compris le crédit, t'es sûr ? Oui, oui, le crédit aussi, oui. Waouh ! Regardez où le chat. Ok. 1 des 10. Est-ce qu'il va faire plus que vous ? Non. Non. C'est de la merde. Très bien. Ensuite, qui veut finir son flashback ? Ne vous bousculez pas. Ben moi je peux. Ok. Ah, eh bien j'ai quitté les rôles, super. Ah. Oui. Voilà, c'est bon, je suis revenu. J'ai pris un en occultisme. Ok, ça marche. Et je suis à 10 en mythe Cthulhu. Ok. J'avais mis celle-là. Alors, on passe à Chiara Lombardino. Ok. Oui, du coup, j'ai pas précisé, mais pour Rose et pour Douglas, vous vous rappelez de tous les événements maintenant, hein, du coup. Ouais. Enfin, du vous de Cherbourg, en fait. Du coup. Chiara, tu étais accompagnée de cet homme, souviens-toi, tu avais essayé de le mordre, enfin tu avais retenu une envie de le mordre. Mm-hmm. C'était une bonne connaissance à toi, Milan. Je ne savais pas trop où cette relation l'a menée, mais en tout cas il était plutôt sympathique, et très charmeur, et très, très agréable. Tu avais cette forme de tatouage ou de marque en tout cas sur ton épaule, en forme de mâchoire, qui se déplaçait parfois, qui changeait de forme, qui devenait liquide, solide, gazeuse même. On est le lendemain, justement, tu as réfréné cette envie de dévorer cet homme. C'est quoi ton sentiment ? Est-ce que tu essayes d'enfouir cette chose-là, ou est-ce que... J'essaie de la comprendre, peut-être. J'essaie de pas y penser, vraiment de l'enfuir, comme si c'était jamais arrivé, que c'était peut-être juste une pulsion très très passagère, mais qui ne devait pas se reproduire. Ok. Bien, le lendemain, tu es invité au restaurant par cette même personne. Est-ce que tu as une idée de ce que tu souhaites manger ? Oh, bah, des pâtes. Mmh. Et bien, il t'amène un peu plus tard, vers midi, dans un excellent restaurant italien. Les meilleurs de Milan, selon lui. On sert des pâtes. Pardon. Les pasta. Des pâtes, oui. Mais bon, c'est... Elle était facile, celle-là. Elle était facile. Elle était trop facile. Un peu, oui. Et du coup, vous déjeunez, vous mangez vos pâtes. Lui, il a pris des spaghettis. Spaghettis bolognaise. Je ne sais pas ce que tu as choisi, toi, comme pâtes. Ah, des...
Des lasagnes. J'aime bien les lasagnes. Ok. Le repas est tout à fait courtois et agréable. Et à un moment, il te fait un peu une proposition. Ah, tu sais, Kara, est-ce que ça dit que... Enfin, qu'on passe un peu plus de temps ensemble, quoi. Enfin, j'aime bien ta compagnie, j'espère que t'aimes la mienne, et puis... Après, ça nous engage à rien, hein. Enfin, si tu veux pas, c'est pas grave. Ah si, je veux bien. Je fais un très grand sourire et je dis « Ah, j'adorerais passer plus de temps avec toi. » Ah, bah super. Et tu vois qu'il sourit et sans faire attention, à un moment, il dépose de la sauce bolognaise sur son manteau. Enfin, sur sa chemise, plutôt, qui était blanche. Et est-ce que tu peux me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît, Kara? Ouais. Bien, c'est réussi. À ce moment-là, précisément, tu réfrènes à nouveau une envie de lui sauter dessus pour le dévorer. Je prends ça pour une pulsion un petit peu différente. J'essaie de croire que... Tu vois, t'avais les mains crispées sur tes couverts, tu sais, la table un petit peu tremblée, tu sais, il te regarde un peu, ça va T'avais l'air tendu, ça va. Ah oui, tout va bien. Je le regarde avec un grand sourire et je me lèche le coin de la bouche comme pour retirer un petit bout de lasagne qui s'était perdu. Fais-moi un jet de charme quand même, s'il te plaît. Charme, oh là, j'ai aucun charme moi. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être la faute des lasagnes que t'en as partout quoi. Voilà, c'est raté. J'ai aucun charme. Ah, du coup, il prend un bout de serviette et puis il essaie de t'essuyer le coin de la bouche. C'est pas grave. Voilà. Vous passez un excellent moment dans ce restaurant. Il te raccompagne chez toi, il te fait un baise-main et puis il te dit « Eh bien, peut-être à demain. » À demain, j'espère. Est-ce que tu vis seul ou est-ce que tu vis peut-être avec une famille, avec... Je vis avec, avec ma mère, vu que mon père est en prison. Mais... C'est vrai. Mais oui, je vis en famille, comme tous bons Italiens de non-mariés. Je pourrais pas faire autrement. Eh bien, tu vois que ta mère est en train de préparer du veau à la milanaise. Elle te demande de l'aide, est-ce que tu souhaites l'aider? Oh bien sûr, j'adore cuisiner. Je vais tout de suite me laver les mains pour l'aider à cuisiner, histoire de pouvoir croquer dans un petit bout de nourriture après. Ok. Dans un petit bout de pâte. Tu vois qu'elle a un tablier, elle a toujours le même tablier depuis que tu la connais. Il est un peu taché de graisse et tout, mais bon, elle le met toujours pour cuisiner. Et tu vois qu'elle attendrit un peu le veau, etc. Elle te demande aussi de découper un peu, d'enlever les nerfs, etc. Elle te donne un couteau. Refais-moi un jet de santé mentale, s'il te plaît, Kara. Mmh. Oh ! J'ai raté. Tu t'appliques à aider ta mère du mieux que tu peux. Tu découpes les nerfs, etc. Tu détailles très bien la viande. Puis à un moment, je sais pas, t'as perdu un peu... T'as cligné des yeux quelques secondes, t'as perdu un peu la tête. Comme si tu t'étais évanoui, que tu t'es réveillé tout de suite après. T'as toujours le couteau à la main, sauf qu'il est ensanglanté. Oula. Et tu vois les morceaux de veau qui sont à terre. Il y a... petite traînée de sang également qui tache ces mêmes morceaux de veau. Tu tournes la tête. Je t'aperçois que sur le plan de travail, il y a un bras. Oh. Et il y a une trace de... Je vérifie si c'est mon bras ou pas. Ce n'est pas le tien. Il y a une trace de mâchoire sur ce bras-là. Ah. Comme si on avait mangé un morceau de ce bras.
Merde, j'aurais préféré manger Sergio que ma mère. Sergio. Sergio. Oui, okay. Et en effet, Sergio. Tu reconnais à terre le tablier de ta mère. Elle est visiblement morte. Maman, maman, qu'ai-je fait? Tu connais pas son visage puisque il manque quelques parties du visage, il manque les yeux. Oh, punaise. Oh, c'est crade. Et à un moment, tu t'aperçois que tu as un peu de sang, tu as un peu de liquide également, tu sais pas ce que c'est. Comme de la. La potée. Comme de la viande hachée qui te coule un peu du coin de la bouche. Tu te lèches un peu les lèvres, c'est. Du pastrame. C'est bon. Oh, c'est bon. Oui. Oh merde. Oh merde. Et tu sens que le tatouage, cette espèce de marque, est de plus en plus grande. On va faire un fantastique combo. Je vais potéfier les gens et toi tu vas faire disparaître les preuves. Oui, mais apparemment je mange pas quand ils sont empotés. Hein. Attention. Pour. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Qu'est-ce que je fais? Oh merde. Je refais un jet de santé mentale, mais que c'est très mal de manger ses parents. Et donc, je vais. Je ne vais pas continuer à manger, déjà. Ce qui est déjà une première chose. Avec ton jet, là, tu as envie de vomir. Tu as envie de vomir tout ce que tu as ingurgité. Eh ben, dans ce cas-là, je vais dans la pharmacie chercher des médicaments qui pourraient faire vomir. Pas besoin, tu as un walker et tu te précipites aux toilettes pour vomir toute cette chair familiale. Maman. L'important, c'est la famille. Exactement. Et à un moment, ça te vient en tête, c'est pas quelque chose d'anodin. Tu te dis que t'as aimé ça, mais en même temps, c'est mal. Ça, t'en as tout à fait conscience. À un moment, tu te dis que cette chair, elle était peut-être un peu trop fraîche. Trop fraîche. Bah oui. Ah, je l'ai. Oh putain. Oh. Je l'ai bouffée vivante. Il lui fallu la faisander. Ouais, bon bah. Je sais pas, tu te dis que. Ah, elle était trop fraîche. Tu penses que. Oh, bah je vais la mettre. Il y a bien un placard à saucisson quelque part, tu sais, pour le jambon, pour qu'il fume. Je sais pas comment on fait, mais on va supposer que la petite italienne que je suis maîtrise le fumage du jambon. Et je vais tenter le coup, hein. Écoute, je vais fumer maman. Violence gratuite. Tu fais ça. Tu peux me décrire les quelques semaines qui se passent ensuite pour toi? Oh bah écoute, je pense que j'ai faim mais ça va, je me sens bien, je sors assez souvent avec Sergio. Comme ma mère est une femme au foyer qui ne sort pas beaucoup vu que son mari a été mis en prison, elle n'a pas très envie qu'il lui arrive des bricoles à elle aussi, personne ne remarque son absence, je pense en tout cas. Et la vie continue presque normalement. Sauf que tous les matins, en me levant, je vais vérifier si mon jambon est bientôt prêt ou pas. Et je vis une vie assez heureuse, je crois. Je crois. Bah, écoute, quand même, je me dis que écoute, avec quelques la santé semaines plus tard, tu es. Est-ce que tu te mets en couple avec Sergio ou pas? C'est une question. Non, hein, tu sais, bon, c'est pas une époque où. Voilà, on parle pas encore de mariage, hein, donc on passe du très bon temps à aller pêcher et manger des pizzas et aller aux arènes, mais rien de plus sérieux. Ok.
Néanmoins, il arrive un événement un peu traumatisant dans la vie de Sergio. Il perd son père. Il te demande si tu peux l'accompagner à l'enterrement. Ah bah, je pense que j'ai pas le choix. C'est, je veux dire, je suis son soutien moral du moment, donc... Oui. Peut-être que je peux récupérer un autre jambon, non? La psychopathe. En tout cas, c'est ce que je pense dans ma tête. L'enterrement se passe, tu vois qu'en effet, le cercueil commence à être enterré. Et il y a quelque chose qui se passe en toi, tu es entouré de toutes ces tombes. Et tu dis, tant de nourriture à disposition. Voilà. Et en pensant à cette idée, tu serres très fort le bras de Sergio et tu le plantes tes ongles dans le bras. Mais qu'est-ce qui se passe, Kara? Oh, pardon, Sergio, pardon. Je voulais pas te faire de mal. Je voulais te montrer ma présence en te tenant fort le bras et je me suis pas rendu compte de ma force. Après tout, je suis si petite. Ah oui, oui. Et au fait, merci d'être... Misérabilisme, s'il vous plaît. Oh là là. Merci d'avoir été présent pour moi, Kara. Par contre, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui est venu avant l'enterrement. Il m'a dit qu'il voulait te voir après l'enterrement. Un étranger. Un étranger? Bah dis donc. Bah un anglais, je crois. Il parlait visiblement anglais. Ah, c'est dommage, parce que je parle pas anglais, moi. Bah lui, il parlait très bien italien, donc bon. Ah bon, ça va alors. N'hésite pas à me le présenter après, mais pour l'instant, occupons-nous de ton père. Oui, on va faire la cérémonie. Et du coup, bah, vous quittez un peu, voilà, la cérémonie se termine. Il y a un homme qui est dans le cortège, en fin de cortège. Il a l'air de t'attendre, visiblement. Il est en habit militaire. Quand tu passes à côté de lui, il dit... Ah, j'aime pas trop les habits militaires. Ouais. Ce n'est pas un habit militaire que tu n'aimes pas, en tout cas. Ah bon, ça va alors. Je le regarde moyennement contente, mais je me tiens droite, pas en garde à vous, parce que je suis pas militaire, mais presque. Mademoiselle Lombardini, excusez-moi de vous parler dans un tel endroit. Ah, pas de soucis, parlez-moi. Oui. Je suis le colonel N. Je suis du SO britannique, un service un peu spécial de la couronne. J'aimerais vous engager. M'engager moi. Moi, une petite italienne qui fait de la gymnastique, vous voulez m'engager moi? Oh, je sais que vous faites plus que ça, mademoiselle Lombardino. Je sais que vous faites un peu la chasse aux chemises noires. Ah. Vous parlez de ça? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je pense dans l'idée que peut-être c'est un imposteur qui se fait passer pour un Anglais, mais qui pourrait être italien et essayer de m'attraper. Donc... Et là, il va te détailler une mission où tu as utilisé un explosif contre une école où il y avait beaucoup de chemises noires. Un truc que toi seul sais, et quelques chefs de résistance italienne. Ben, du coup, je vois de quoi vous parlez. C'est bon. Non, je n'en doutais pas. Oui. Vous savez, le SOE a beau être britannique, il engage des personnes un peu exceptionnelles venant de toute l'Europe, même de tout pays. Et il s'avère que vous faites partie de ces personnes que j'aimerais engager pour créer un groupe qui peut nous aider à combattre le régime hitlérien et à enquêter sur des événements un petit peu étranges également en parallèle. Des événements étranges. D'accord. Je vois pas de quoi vous pouvez parler, mais...
ça m'intéresse. Si vous pouvez m'aider à buter quelques chemises brunes dans le tas, c'est toujours intéressant. Je ne doute pas que quelques nazis peuvent se faire exploser par votre personne. Ah. Bonne idée alors, je vous suis. Je vous donne rendez-vous à Londres dans un mois, à cette adresse. Ben, je prends l'adresse et je me dis que c'est bien que j'ai encore un petit peu de temps parce que mon jambon, il est toujours à la maison. Il a été un peu consommé depuis... je ne sais pas s'il te reste beaucoup ah, de temps. Ah bon, ça va alors. Et cette personne te quitte et puis nous finissons ce flashback. Et par contre, du coup, ça veut dire que j'ai toujours la marque sur moi à Cherbourg ? Toujours, oui. D'accord. Et tu t'en rappelles que maintenant, visiblement. Et tu te rappelles également de tous ces événements traumatisants. Oh ! J'ai mangé maman. Tu gagnes 3 points de Cthulhu et un délice dans une compétence. Ah, je vais lire le chat. Attendez. Ouais. Non, c'est pas nécessaire. Alors... Ah, c'est pas mal. Le niveau est élevé aujourd'hui. N'est-ce pas? Ouh! Eh bien, je rajoute donc 10. Oh la vache. Point en démolition. C'est étonnant. Ah, ça peut pas faire de mal. Et enfin, on passe au dernier. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, mais c'est intéressant. Et du coup, attends, c'est un des et trois en mythe de Cthulhu, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et enfin, le dernier flashback, Thomas Harper. Thomas, tu t'étais réveillé en sueur d'un cauchemar. Tu étais sur le pont de Londres, tu échappais à un tsunami immense. Tu t'étais barricadé comme tu pouvais dans une des tours où tu avais visiblement échappé à la vague. Tu n'avais pas pu voir cette forme qui accompagnait cette vague. Si, sur l'exil, justement. Non, tu avais juste une forme très grande. Tu avais raté ton jet d'observation. Enfin, je sais plus ce que c'était. D'accord. Comment je me souviens que tu me l'avais décrit, donc... j'avais peut-être pas pu discerner clairement ce que c'était, mais il semblait que tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose en dessous. Oui, je t'avais dit qu'il y avait une forme, mais tu n'avais pas vu précisément à quoi elle ressemblait, en tout cas. Ouais. Okay, ouais. Mais qu'elle était immense, c'est vrai. Visiblement pas humaine. Et tu vois que vraiment, elle accompagnait cette immense vague. Et tu t'étais réveillé en sueur à côté de ta femme. Et nous reprenons ici. Tu vois que la bague te brûle un peu. Mmh. Est-ce que tu l'enlèves? Est-ce que tu la gardes? Chérie, ça va? Pourquoi tu cries dans ton sommeil? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, beaucoup de choses bizarres arrivent en même temps, ça ne peut pas être une coïncidence. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est peut-être que mon imagination après... C'est quelques missions passant en mer, mais j'ai l'impression de voir des créatures se faufiler dans la brume, et l'enquête que nous avons menée avec le collègue qui nous a amené à une série de doigts marquant nos prénoms. Quoi ? Excuse-moi, c'est très confus. Genre. Mais qu'est-ce que c'est que ces événements ? Tu crois que la famille est en danger ? Tu crois que notre famille est en danger ? Je ne sais pas si la famille est en danger ou si c'est juste un avertissement pour
une mafia locale dont on aurait trouvé le drôme, je ne sais pas. Une mafia locale? Je... Ah, peut-être pas penses... une rixe dans un bar qui aurait mal tourné et un règlement de compte qu'on essaierait de nous faire. Tu penses que les Peaky Blinders sont venus dans notre pays? Je reste un peu attendu le temps de la réflexion. Ah quand même, c'est pas une rixe dans un bar qui aurait pu les déconcerter. Bah oui, mais tu... J'essaye de comprendre. Ouais. Moi-même, je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Et même, c'est... Aïe, aïe, aïe. Je commence à faire des cauchemars à propos de cette... Non, à mon avis, c'est plus que ça, mais... C'est beaucoup trop diffus encore, et je ne préférais pas vous en... Je ne veux pas vous préoccuper pour rien. J'essaie de trouver la réponse de mon côté. Je sais pas si tu te souviens après tous ces événements, mais tu sais que tu vas bientôt être... remobilisé. Hein. Je sais, j'aurais préféré qu'on fasse la lumière sur la disparition de l'officier que je devais escorter. Bah, c'est vrai que c'est un peu étrange cette histoire. J'ai l'impression que c'est lié. Mmh. Bah écoute, juste ne fais pas peur aux enfants, juste. Si t'as quelque chose en tête, tu m'en parles, mais essaye de ne pas effrayer les enfants. C'est bien pour ça que je vous ai... Si tu pouvais dire aussi à ton ami de pas toquer à la porte en pleine nuit, ce serait bien aussi. Bah justement, c'est lui qui m'a averti de cette cellule qu'on a découverte pas loin de la maison. Ouais, bah je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il est revenu cette nuit, il a toqué. Enfin, je suis pas allé voir, mais j'imagine que c'était lui. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais partir, effectivement, je vais être remobilisé, mais s'il te plaît, ne voit personne pendant la nuit, d'accord? Bah oui, je ferme toujours la clé, oui. Mais tu m'inquiètes, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je ne saurais en dire plus, je ne sais pas si c'est... Le fait d'être associé à la marine militaire, mais j'ai l'impression que je suis suivi et je ne sais pas par qui ni pourquoi. Est-ce que tu peux me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît? Ouais. Il y a un moment donné, tu parles à ta femme, vous êtes en pleine conversation, et tu regardes un moment la fenêtre. Tu aperçois une immense vague, mais tu clignes des yeux, mais hop, elle disparaît. Je regarde la vague en même temps. Elle n'émet aucune lueur. Je vais regarder ma femme et je vais lui dire pour mon affectation, j'aimerais que tu prennes les enfants et que vous alliez voir la famille Carfi. C'est loin des côtes. À quoi, chez ta famille? Oui, j'ai l'impression qu'un gros temps se prépare. J'aimerais que vous soyez un peu loin des côtes. Oui, mais j'aime pas trop un de tes frères là, il est un peu. Il a les mains baladeuses. Lequel? Je sais pas, vous êtes tellement nombreux, laisse-moi regarder. elle fouille, elle trouve la main. Tiens, elle est qui celle-là? Attends, parce qu'en plus, ça met 10 000 messages. Ah, voilà. Ah, tout de suite. Ouais, c'est... Tu cherches à savoir qui c'est? C'est Deved. Le baladeur, le baladeur du lot, ouais, c'est Deved. Okay, Il n'est pas baladeur, il est dragueur. C'est un énorme con, par ailleurs. Au pire, parle-en à Bloodwen et elle lui mettra un énorme pas de ma part. Elle a l'habitude. Oui, je sais qu'elle aime ça aussi. Donc, si elle peut taper des gens, elle...
Oui, elle se fera pas prier, t'inquiète pas. Je pense qu'avec elle, tu es en sécurité. Au fait, ça m'inquiète, on a toujours pas de nouvelles de ton frère. Bon, c'est les aléas de la guerre, malheureusement, ça. Ah, mais quand même, ça fait plus d'un mois qu'il nous écrit plus. Encore une fois, s'il est au front, oui, c'est... Je m'inquiète pour lui, effectivement, mais... C'est un commando, il connaît son métier. S'il ne peut pas écrire, c'est peut-être parce que, justement, il est... tout comme moi observé, ou alors qu'il se bat pour le pays. Bon, très bien. Bon, écoute, je vais aller réveiller les enfants. Allez, je vais essayer de penser, moi aussi, aux choses. Et puis oui, je vais préparer les affaires pour aller chez ta famille. Oui. Ouais, évite la... Évite Dublin pendant quelques temps, évite la côte. Et... Si nous sommes effectivement suivis, ils ne monteront pas jusqu'à Carfini. Je vais pas rester un mois avec ta belle famille, je te préviens. Non, bien sûr. À une semaine, ce sera déjà bien. Oh les bâtards. J'avoue. Et toi, bah du coup, tu te prépares, tu t'habilles, tu mets ton habit militaire, tu cires un peu tes chaussures, tu fais vraiment le militaire. Ouais, j'aurais vérifié la radio, c'est tant qu'à faire. Écoute, elle n'émet pas de bruit étrange, elle fonctionne plutôt bien. D'accord. Voilà, tu captes un programme musical que tu apprécies. Et en sortant de chez toi, tu vois que c'est un temps plutôt humide, tu sens qu'il va pleuvoir. Il y a des nuages autour de toi. L'air y est humide, mais bon, tu as un petit peu froid, mais non moins. Tu as l'habitude, c'est le climat gallois. Et tu marches, à un moment tu... T'as les idées un peu ailleurs et tu marches dans une énorme flaque d'eau que tu n'avais pas vue. Et au moment où tu regardes tes pieds, tu aperçois qu'il y a quelqu'un devant toi. Et c'est un visage plutôt spécial. Bonjour, monsieur bonjour. Harper. Je vous demande pardon. Je vous dis bonjour, monsieur Harper. Vous me connaissez ? Moi, je vous connais. Il ressemble à ça. Attendez, je... D'accord. Il est grand. Oui. Il est moche. Si, il est... Il est frais. Mais lui, il est où par rapport à la flotte? Parce que je marche dans l'eau et juste après, il apparaît. Donc... Bah, tu sais pas, peut-être que tu l'avais pas vu ou t'avais pas fait gaffe. Ok. Tu vois qu'il est en habit aussi un peu militaire, comme toi, il a l'air d'être un marin également. Alors, beaucoup moins gradé que toi, mais néanmoins... C'est un marin. Est-ce que je suis capable de déterminer à quel corps il appartient? Avec son uniforme? Fais-moi un jet de science militaire, s'il te plaît. Ok. Attends, science militaire... J'ai beaucoup de points en science militaire. Sur le coup, tu saurais pas dire. T'es mal réveillé. Enfin, en tout cas, il a pas de décoration sur son uniforme, contrairement à toi. Ok. Après, au doigt mouillé, c'est peut-être un première ou seconde classe, pas plus, quoi. C'est vraiment... C'est une bleusaille, un peu, quoi, pour toi. Pourtant, tu vois qu'il a des blessures de guerre. Voilà, il a un œil crevé. Quelques parties également brûlées. Peut-être par un obus, je ne sais pas. Et il a cette voix un peu grave, un peu... pas agréable à l'oreille, quoi. Et il a cet œil un peu morne, un peu morphe qui te regarde. Oui, je suis un marin également, monsieur Harper. Vous êtes engagé sur quel navire ? Je suis sur le Johnson. C'est une petite frégate. Non, je suis un marin anglais, monsieur Harper. Vous êtes loin de vos côtes, monsieur l'anglois.
Je viens de la part de certaines personnes, monsieur Harper. Vous avez attiré les regards sur vous, monsieur Harper. Bah, du coup, je fais le lien avec ce dont j'évoquais depuis le matin avec ma femme. Là. Et je fronce les sourcils. J'attends un peu la suite. Vous avez reçu un cadeau de leur part, monsieur Harper. J'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup de menaces, sûrement. Vous commencez à recevoir l'illumination, monsieur Harper. Ce n'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez, mais néanmoins, c'est un fait. Est-ce que vous avez rêvé de la grande vague, monsieur Harper ? Celle qui emporte tout ? Comment êtes-vous au courant de ça ? Je suis un rêveur également, monsieur Harper. Mais si vous faites partie de ces rêveurs, alors vous devez être initié. Vous devez rejoindre nos rangs, monsieur Harper. Et recevoir l'enseignement de Dagon. Dagon. Après, vous parlez de menaces, monsieur Harper. Il s'avère que si vous refusez d'être initié, nous ne pouvons nous permettre de laisser quelqu'un parler de notre culte. Mais je peux vous promettre que si vous nous rejoignez, vous allez apprendre des choses sur vous et sur le monde qui dépasse l'entendement, monsieur Harper. Notre petit vie insipide de marin s'arrêtera ici, monsieur Harper. Vous connaîtrez des plaisirs inconnus, des connaissances illimitées. Ok. Là, je vais clairement pour lui mettre une droite. D'accord. J'étais à moins que rien, monsieur Harper, avant de rejoindre l'ordre ésotérique de Dagon. Alors clairement, je vais mettre une note en disant, honnêtement, je m'en débarrasse. On ne menace pas impunément ma famille. Je ne menace pas votre famille, monsieur Harper, je vous menace vous. Et quand bien même, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour me proposer de rejoindre votre rang d'illuminé ? Vous avez gardé la bague, monsieur Harper, je sais que vous êtes intrigué. C'est un cadeau de ma famille et de mes aïeux. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. Cette bague appartient à l'océan, monsieur Harper, elle n'appartient plus à votre famille. Vous êtes l'océan, monsieur Harper, et l'océan est vous. Rejoignez-nous et vous connaîtrez l'extase. Vous rejoindrez le monde souterrain. Vous appartiendrez au peuple de la mer. Non, clairement, plus vous parlez, moi j'aurais envie de rejoindre votre bande d'illuminés. Alors, je ne sais pas ce que vous prenez, mais ça a l'air d'être du bon. De la toute bonne. De la toute bonne. Je m'en vais vous faire un rapport à votre colonel, vous, ça va aller vite. Si vous ne nous rejoignez pas maintenant, le temps le fera, monsieur Harper. Dans la mort.
Vous ne pourrez résister à l'appel de la mer, monsieur Harper. Et alors, même moi, je ne pourrai rien pour vous. Je ne pourrai pas sauver votre famille. Vous connecterez l'extase. Vous quitterez votre précédente enveloppe pour une nouvelle. J'attends moi-même ce moment avec impatience. En attendant, je sers l'ordre ésotérique. Et je me complais dans cette religion magnifique, monsieur Harper. Nous vénérons des choses plus grandes que nous, monsieur Harper. Plus grandes que Jésus-Christ, Allah, Yahvé. Des choses plus grandes que Ganesh. Est-ce que vous comprenez, monsieur Harper ? Des choses plus grandes que l'Empire britannique. Des choses plus grandes que... Alors moi j'ai dit qu'à n'importe quel moment j'arrêtais avec une mandale dans la gueule. Bah, il continue quand même à parler. Et d'accord. Alors, il a foutu total. Il est pas vraiment déconcentré. D'accord. De toute façon, depuis un certain temps déjà, je ne l'écoute plus. Hein. J'espère qu'il l'a remarqué. Là, tu vois qu'il s'essuie un peu la lèvre. Tu lui as donné un coup de poing. Ils sont venus pour vous, monsieur Harper. Les avez-vous vus ? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Ces formes dans la brume. Ok, je peux lui remettre un coup de poing ? Oui. Et là, il perd une dent. Attends, je vais frapper au cœur. Pardon. Là, j'ai frappé. Ouais, bon, il perd deux dents. Là, mon grand but, ça va être de le tabasser jusqu'à ce qu'il arrête de parler. Hein. En vérité. Tu vas l'aurer deux coups, littéralement. Tu ne sais pas si tu l'as tué, voilà. Mais tu l'as la bien amoché. La diplomatie à la galloise. Voilà, on est d'accord. La violence. Tu vois que. Oui, la violence. Cet homme est au sol, il ne parle plus. Seul son œil encore valide te regarde. Madness. Nous sommes des Gallois. Pardon. La vague arrive pour vous, monsieur Harper. Clairement, je vais le traîner par les pieds jusqu'au bois le plus proche et puis je vais lui mettre la face contre terre pour qu'il arrête de parler. C'est vrai qu'il s'est évanoui sous les coups. Ouais, je vais quand même le traîner par les pieds jusqu'au bois le plus proche. Okay. Histoire qu'on le retrouve pas sur le chemin, quoi. La violence, mais méthodique. Ouais. Est-ce que tu le fouilles ? Alors, j'allais dire que j'allais au moins vérifier sa pupille pour voir si elle était dilatée sur la preuve d'un... du fait qu'il avait perdu connaissance, mais effectivement, je dis que savoir sur quel... s'il m'a pas menti avec son groupe d'illuminé et savoir s'il est bien sur un bateau pour en faire un potentiel rapport à des supérieurs, ça pourrait être intéressant aussi, ouais. Donc, ouais. Alors, pour ta première question, en effet, l'œil est dilaté. Il a peut-être un trauma crânien. Et en le fouillant, tu ne trouves juste une simple enveloppe à ton nom. Enfin, qui t'est destinée, en tout cas. Il y a un sceau officiel de la marine anglaise. Pas de la marine galloise. Ok. Est-ce que tu ouvres l'enveloppe ? Oh ben non, c'est le destiné, oui. Tant qu'à faire. Ça parle de ton frère et qu'il est retenu dans un hôpital. Il a subi un énorme traumatisme et il est soigné à un hôpital militaire anglais. Ok. Par rapport à ma permission, j'ai le temps de m'y rendre ou est-ce que c'est en Angleterre, ça risque de faire une petite trotte? Tu as le temps, ouais, parce que c'est une convocation officielle, donc... Ok. Parce que là, effectivement, je vais prendre le moyen de transport en commun le plus rapide pour retourner le voir. Taking not the boat.
En te retournant, est-ce que tu peux me faire juste un jet de... ouais, trouver objet caché. Toc, toc, toc. Il est là. Très belle réussite. Tu te sens un peu épié dans ces bois quand tu repars, quand tu quittes un peu ce bois. Fais attention, tu vas tomber sur les mêmes merdes que moi, tu vas voir, tu vas pas t'en sortir. Et tu te retournes un peu pour savoir d'où ce sentiment te vient, mais tu as juste le temps d'apercevoir des formes qui traînent le corps de ce soldat. Des formes qui ressemblaient à celles que tu avais vues chez toi, quand tu regardais à la fenêtre. Ce jour de brouillard. Et ta bague te fait extrêmement mal. J'ai une arme de fonction là, sur moi ou pas? Tu as quoi? Mon arme de fonction sur moi ou pas? C'est à toi de me dire. Mon arme de service, bah, je suppose que si j'étais parti pour... Pour moi, tu l'as ouais. Prise, oui. Ouais, je vois pas Thomas Harper laisser son arme chez lui, avec sa famille ouais. À côté. Bah écoute, si les créatures me semblent pas trop loin et que j'arrive plus ou moins à les distinguer au moins deux formes dans la forêt, bah moi je vais sortir. Ouais. Alarme de points, ouais. Pas au fusil. Dans équipement, tu peux cliquer sur ton arme directement normalement. Pour faire un jet de dégâts et tout. Fais-moi tes dégâts, pareillement avec la même arme. Comment tu fais les dégâts du coup? Normalement c'est dans l'équipement, attends. Lancer les dégâts, oui. Ouais, voilà. Ici, ouais. Tu vois une des formes qui s'écroule au sol. L'autre continue de tirer le soldat. Je vais essayer de l'ajuster aussi, tant qu'à faire. Bah, refais-moi un jet de Lee Enfield. Ouais, refais-moi tes dégâts. Poum. La deuxième forme s'écroule. Si j'en vois pas d'autres, très clairement, je vais aller inspecter. Tu n'en vois pas d'autres. Tu vois que ce sont des formes humanoïdes, tu t'approches pour regarder. Et tu vois des humains qui ont un peu le même visage, un petit peu malsain que ce marin anglais. Avec des traits un peu difformes. Des visages grossiers, des coups, des très petits coups. Comme si la tête était enfoncée sur le corps. Comme s'il n'y avait quasiment pas de coups. Et des rides un peu très profondes au niveau du cou également et du front. Ouais, vas-y, dis-moi. Mais des yeux. Des gros yeux. Exorbitants. Eux aussi, je vais fouiller et ensuite je vais inspecter les blessures. Tu ne trouves sur eux que deux bagues qui ressemblent énormément à la tienne, avec cette gravure. Ok, à tout hasard, je vais les embarquer également. Les bagues ? Ouais. Ok, tu peux te rajouter ça dans ton inventaire. Que fais-tu ensuite? J'ai dit que j'inspectais les blessures du coup. Il y en a un, tu le attires dans les poumons littéralement.
Tu vois qu'il est évanoui, il est pas totalement mort, mais tu sens qu'il est en train de se vider de son sang. L'autre, le deuxième, tu as fait mouche dans la tête. Ah. Ok. Ce juge qui sont pas... Comment dire ? Ils sont pas aptes à se relever immédiatement et qu'ils constituent plus un danger, du coup je vais laisser traîner et puis je vais partir en direction d'un transport en commun pour rejoindre mon frère. Très bien. Et quelques jours plus tard, tu rejoins en effet l'hôpital militaire où ton frère se fait soigner. Quand tu rentres dans sa chambre, tu vois qu'il est assoupi. Et il y a un militaire gradé qui est assis sur une chaise à côté de lui. Il est en train de lire le journal d'un air un peu nonchalant. Tu vois qu'il plie le journal et il fait « Ah, l'autre frère Harper, je ne vous attendais plus. » Je dévisage la personne en question, du coup, à qui j'ai affaire. Je suis le colonel N. D'accord, donc du coup je me garde à vous, monsieur. Allons. Nous ne sommes pas officiellement dans une caserne, monsieur Harper. Calmez-vous. Et vous n'êtes pas encore sous mes ordres. Pas pour l'instant. Je vois. Je me penche du coup pour observer l'état de santé physique de mon cher Douglas. Tu vois qu'il a subi beaucoup d'opérations au niveau de sa mâchoire. Tu vois que on a réussi à le redresser, à le remettre un peu droit, mais tu sens que il s'est passé quelque chose, qu'il a reçu une blessure grave au niveau de la mâchoire. Tu sens qu'il a mis un pistolet dans sa bouche. Ah. Votre frère s'est tiré une balle, monsieur Harper. Merde, j'allais dire, est-ce que je suis capable de le déterminer ? Quoi ? Mais jamais à part de s'exécuter lui-même. Qu'est-ce que vous racontez comme simagrée ? C'est pourtant la vérité, monsieur Harper. Il te tend un peu, tu sais, les espèces de dossiers que tu trouves au pied des lits d'hôpitaux. Avec l'état sanguin, les machins, ce qui s'est passé, les niveaux de blessures, etc. Si vous ne croyez pas, regardez. Ah, du coup, joli. Et en effet, tu vois que c'est une blessure par balle au niveau de la mâchoire qui a causé cet état chez ton frère. Il a subi... Ah, par contre, oui. C'est pas dit que ce soit lui qui se tire directement la balle dans la bouche. Ah, c'est pas déterminé, ça. Mais N te dit que c'est lui, en tout cas. Ouais. Ah, du coup, ouais, je vois que Douglas est en état de parler ou pas, hein ? Non, il est assoupi. Je me réveille à coup de mandale dans la gueule. En vrai, tu peux, hein, c'est bah, complètement. Tu fais ce que tu veux. Hein. Ça, en vrai, c'est complètement raccord, presque. Ah non, si je vois que si je vois qu'il a besoin de repos et qu'il est à l'hôpital, je peux pas non plus. Je peux pas coller une trempe pour réveiller. Harper dedans, jamais. Harper, ça se suicide pas. Harper, jamais ne meurt. Harper n'a jamais peur, putain, voilà, c'est comme ça. Parfait. Bah, est-ce que tu le réveilles alors ? Tu peux, hein ? Bah non, du coup, si je veux qu'il dort. Hein. Si je veux qu'il dort et qu'il a besoin de soins, je vais pas non plus éviter de trop forcer, quoi. Monsieur Harper, j'ai parlé à votre hiérarchie et il s'avère que ils sont ouverts à l'idée de vous remobiliser dans mon service. À quelle fin, monsieur ? À des fins militaires et d'espionnage. C'est dans vos cordes. Mes compétences se limitent à la marine militaire et à poste de radio.
C'est ce que nous recherchons. Nous aimons votre profil pour la SOE, monsieur Harper. J'ai déjà recruté votre frère. Ah bon ? Mon frère ? Oui. Mais là, il y en a un espion. Nous n'avons pas forcément besoin tout le temps de subtilité dans nos opérations. Je vois. Il en manque beaucoup. Vous allez composer avec votre frère et d'autres personnes que j'ai recrutées une unité du réseau N, mon réseau, qui appartient au SOE. Nous rendons des comptes à l'Empire britannique, mais nous recrutons des personnes de différents pays. Des militaires également ? Des civils également. Je fonce un peu aux affaires. Des civils ? Des civils avec des talents particuliers. Vous serez surpris parfois qu'on trouve des profils qui sont plus compétents que certains militaires. Chez les civils. Attendez d'avoir vu Henri Michel. Il est turbo compétent, monsieur. Il y a autre chose également pourquoi je vous ai tous sélectionnés. Il vous est tous et toutes arrivé un événement un peu traumatisant, étrange, durant votre vie. Vous savez, il y a des forces qui se réveillent et qui se servent de la guerre comme moyen pour se cacher. Notre but au réseau N est de s'occuper de ces forces, ou de les comprendre du moins. Est-ce que vous faites référence aux Illuminés qui sont venus me chercher sur le pas de ma porte ? Eh bien, maintenant que vous en parlez, il est vrai que cet ordre ésotérique de Dagon ne m'est pas inconnu. C'est un ordre qui sévit dans toute l'Angleterre, en Irlande également, mais aussi sur les côtes américaines. Ah, donc nous aurions plus à faire qu'à une simple secte de Wiccan. C'est un ordre marginal, pourtant très bien organisé. Très secret également. Il est difficile de se procurer des informations sur ces individus et sur ce que compose cette religion. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une religion qui vénère une divinité sous-marine. Et là, Thomas se dit intérieurement que si on lui avait parlé d'espionnage avant, il aurait peut-être évité de les éclater sur le pas de la porte. Est-ce que vous acceptez de faire partie du réseau N, monsieur Harper ? C'est bien ma foi, si c'est pour l'Angleterre et si mon frère a déjà donné son accord, pourquoi pas ? J'ai un peu plus d'informations à vous donner. Vous serez mobilisé en France, à Cherbourg précisément. Mais nous aurons le temps d'en reparler dans quelques semaines. En plein temps, t'es occupé donc. C'est vrai. Mais vous êtes plus que compétent. Pour ma part, oui, en tant que militaire. Mais j'espère que nous n'aurons pas trop à composer avec des civils qui ne savent pas où ils mettent les pieds. Ça, je ne peux pas répondre tout de suite à votre question, monsieur Harper. J'ai sélectionné des civils qui, pour moi, sont utile à cette mission. Thomas émet un léger soupir de contradiction. J'espère bien que vous les encadrerez avec votre frère. Nous ferons notre possible, monsieur. Eh bien, c'est entendu. Allez rejoindre votre famille, monsieur Harper. Soufflez un peu. Et rejoignez-moi à Londres, à cette adresse. Et là, il se lève, il prend le journal et il ferme la porte derrière lui, te laissant avec Douglas. D'accord.
Tu vas gagner 3 points mythes de Cthulhu et me choisir une compétence à améliorer. Alors, mythes de Cthulhu, où es-tu ? Et bien entendu, tu te rappelles de tous ces événements. Non, pour ma part, je ne les avais pas beaucoup oubliés, ça. Je vais juste passer, du coup, nous revenons dans le présent. Il y a quelqu'un qui se cache dans un buisson, il me semble. Oui, dans des fourrés. En te cachant dans ce buisson, tu te rappelles tous ces événements traumatisants, Douglas. Mais je vais quand même rester dans les buissons. Je sais, je sais. Néanmoins, des larmes coulent. Ainsi qu'une blessure à la mâchoire qui s'explique. Tu vois que les flammes illuminent un peu les alentours. Bon, tu restes très bien caché, mais néanmoins... Si quelqu'un fouille les alentours, il peut assez vite te trouver, avec la lumière que dégagent ces flammes. Je vais dans ce cas tenter de m'éloigner quelque peu des flammes et de me cacher à l'aide de feuilles, de branchages, de trouver des fronderières, de positionner mon arme de façon à avoir une bonne vue sur l'entrée. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Bien évidemment. People are strange now. C'est une bonne réussite. Très bien. Tu attends quand même quelques, je dirais, 2 bonnes heures avant qu'une silhouette s'approche du portail. Tu vois que l'incendie a diminué, mais il est toujours actif. Ok. Et tu aperçois... Alors, attends. Il est où ? Il est là. Attends, le portail, il est où ? Il est là. Tu aperçois une jeune silhouette qui s'approche en courant du portail. Il porte des habits pas militaires, mais qui a l'air d'appartenir à un ordre policier. Tu ne sais pas trop. Ah, merde, tu connais pas sinon, trop j'allais les mœurs françaises à ce niveau-là. J'allais lui jeter une grenade à la tête, mais. Du coup, tu vois, l'ordre policier commence à courir en direction du château en flammes. Je me lève et je tente discrètement de me rendre non loin de lui pour voir vers où il va. En gros, de me rapprocher de lui. Refais-moi jet de discrétion. Bonne réussite. Alors, attends. Tchou ! Je vais okay. Tu vois que ce jeune homme ne t'aperçoit pas, ne t'entend pas. Mais il arrive au niveau du porche. Ok. Je m'installe là, je prends le temps, je respire, je le mets en joue, je vise la tête. Bah, fais-moi Je prends bien évidemment juste avant le temps hein, de regarder, savoir s'il y a... Je me dis que le feu de l'incendie devrait couvrir un petit peu les bruits de l'arme. Oui, puis t'as le plancher qui brûle, tu as un peu les... Voilà. Des poutres qui tombent. Des marches d'escalier qui s'écroulent aussi. Donc, ouais, ça fait j'ai de... Pour essayer de voir s'il y a des gens autour, j'ai de quoi du coup, juste avant de tirer. Ça dépend, ce serait de la perception visuelle ou auditive ? Visuelle, pas auditive. Bah, toc. Je n'entends personne. Je vais donc tirer. Bonne réussite. Fais-moi tes dégâts. On peut pas le sniper d'un coup ? Genre en mode... Esthétique, tu vois, ça a un truc stylé. Bah, tu tires avec quelle arme maintenant aussi ? Avec mon gros fusil. Oui, bah vas-y, fais-moi tes dégâts. Avec pas mon gros fusil, mais la mitrailleuse qu'elle m'a donnée. Comment elle s'appelle ? Kara. Ouais.
Enfin, c'est pas la mitrailleuse, c'était le. Il y avait un autre fusil à deux coups qui n'avait pas le truc du brain gun. J'avais volé, récupéré le fusil d'un des morts. C'est ça. C'était celui-là. Je tire avec le brain gun en disant que ça fait les mêmes dégâts ou tu veux qu'on fasse autrement? Non, attends. C'était qui avait le fusil? C'était Yves. Je t'avais pas donné les dégâts? Non. Ah non, c'est pas lui, je me suis trompé. Attends, c'est pas Yves, c'est Jacques. Hop. Ah, c'est le Jaco. Oh, c'est le Jaco qui avait son fusil. Alors, c'est un fusil de chasse robust. Robust? Ouais. Tu mets ton score de fusil dans équipement, quand tu rajoutes le fusil. Ouais, alors attends. Mm-hmm. Donc, ordinaire, 90. Dégâts. 2d6 plus 4. C'est le même que le Brain Gun. Ouais. En vrai, je peux. Ouais. 2d6 plus 4, le Brain Gun, il fait ça aussi. Portée 80 mètres, capacité. Ouais, il a moins de portée, mais là, pour le coup, c'est pas. Alors attends. 2d6. La panne du Brain Gun, elle a combien, s'il te plaît, juste? Là, panne du Brain Gun, elle est à 98. Celle du fusil, elle est à 97. Ok. Capacité, t'es à combien du coup? 10. 10. Cadence, j'imagine que c'est un coup. Non, deux. Deux. Ok, et la portée, tu m'as dit que c'était 98 mètres, c'est ça? 80 mètres. 80. Ok. Ok, fais-moi tes dégâts. 8. Tu vois qu'il se prend. J'avais fait une réussite majeure parce que ça a retiré le truc. J'avais fait une réussite majeure pour tirer en fusil. C'est parce que je t'avais dit que je ciblais la tête spécifiquement. Donc au cas où ça mette quelque chose d'un peu plus difficile, j'avais fait une réussite majeure juste avant. Oui, là les dégâts c'était bon, mais j'avais fait. Il a relancé un jet en me mettant. Non, mais moi je m'en fous, j'ai juste pris les dégâts. Ok. Tu le tires dans le dos, tu vois qu'il s'écroule au sol, mais il est toujours vivant. Je recharge d'un mouvement et je me précipite vers lui. Fais-moi un jet de toc avant tout. Je suis pas un très bon toqueur. Est-ce que tu es un bon TikToker? Ah. Non. Non. Non plus. 31. Vas-y, tu retires dessus. J'arrive au corps à corps, je vise la tête, je tire. Ok, je te fais pas faire de jet, tu l'exploses. Je fouille son corps. Au moment où tu fouilles ce corps, tu commences à entendre des bruits qui surplombent le bruit des flammes et de l'incendie. Tu entends des croissements. Mais une centaine de croissements tout autour de toi, du château. Ok. Pas le temps de fouiller le corps, mais j'ai besoin quand même de l'avoir. J'essaie de l'attraper en un mouvement. Avec sans tête, il doit être un peu plus léger. Ah, quoique non, ça va me foutre du sang partout. J'arrache ses vêtements et je me casse. J'essaie d'arracher le ce que je peux choper. Sa veste, par exemple. Ok. Tu fuis le château. Si t'as besoin d'un jet de dex pour que j'arrache la veste avant de me barrer. Non. Du coup, ouais, je vais fuir derrière. Ce qu'il me faut, c'est ses papiers d'identité pour que je prouve qu'il ait bien été crevé. Il y a des papiers à l'intérieur de la veste. Tu n'as pas pris le temps de regarder ce que c'était. Non, mais je. Là, de toute façon, je vais pas poireauter 50 ans. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce pourquoi j'étais venu. Et tu quittes la région sous le croissement de ces centaines de batraciens. Et tu retournes à Cherbourg. Hop. Alors. Je vais mettre celle-là. Et avant de retourner à Cherbourg, je vais cacher le fusil à l'extérieur pour passer les contrôles.
Ah oui, tout à fait. Je choisis un emplacement que je pourrais reconnaître à la porte en arrivant. Et voilà. Ah, la musique de Cherbourg. Vous avez manqué. Putain, tellement. Tu peux pas savoir à quel point. Alors, Cherbourg. Je vais demander un peu aux autres ce que vous faites le lendemain matin, une fois que vous vous reposez. Bonjour, Caroline Micheline. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Michel, quand tu te... Est-ce que t'as une routine potée? Je vais juste demander à Rose le Sage de me lancer un des quatre, s'il te plaît. Et à Chiara Lombardino de lancer maintenant un des quatre pour savoir qui elle a envie de bouffer. T'as un sommeil plutôt réparateur et tu regagnes 3 points de santé mentale. Ah. Moi aussi, je peux regagner 2 points de santé mentale. Si vous dormez d'un sommeil léger et agréable, oui. Et du coup, il faut faire un D4 pour ça ? Ouais. Par contre, je vais considérer que Douglas, tu n'as pas un sommeil satisfaisant. Ouais. Tu ne feras pas ce jet-là. J'ai moins dormi. Ouais. Je suis resté pour pouvoir accomplir ma mission. Pas de souci. Du coup, avec 2. Bah, tu regagnes 2 points de santé mentale. Ah, ok, c'est. Donc, bah, est-ce que Thomas, Cara, Rose, Henri Michel, que faites-vous une fois réveillé? Une fois réveillé, comme je me rappelle de ce qui est arrivé à ma mère, je me fustige un petit peu. Et je me dis que franchement, ça valait pas le coup de payer le prix d'un timbre. Entre l'Angleterre et l'Italie pour envoyer une lettre à ma mère qui ne pourrait pas la recevoir. Voilà. Et du coup, je vais m'en aller petit déjeuner d'une saucisson tout à fait pour le petit déjeuner. En me disant que peut-être je devrais. Je me demande si je sais où est-ce qu'on était. Enterrer le corps hier aussi. Est-ce que tu peux venir 2 secondes en privé avec moi, Lou? Oui. On va sur JDR Bureau du MJ. Juste ouais. En dessous, là, le salon. Juste en dessous. Ouais. Ok, donc tu te demandes où ces corps sont enterrés? Mais oui. Une fois dans ta chambre à l'hôtel, également une fois reposé, tu te regardes un peu dans le miroir. Et au niveau de ton bras gauche, tu as envie de te gratter. Ça te démange. Mm-hmm. Et tu te grattes un peu, tu te grattes assez fort. Et tu vois qu'il y a des petits morceaux de peau qui se détachent un peu. Ah. Moi, ce serait une zone de 2-3 cm, quoi. C'est plutôt petit et. Facile à cacher, mais non, au moins, ça t'a gratté assez fortement. D'accord. Ben, je vais mettre de la crème. Je sais pas trop si je peux faire quoi que ce soit là-dessus. Et tu as... commence à avoir un peu faim, quand même. D'accord. Voilà, sachant cela, on peut retourner voir les autres. Ça marche. C'est nul d'un bout à l'autre. Hein, heureux, ouais. Non, moi, j'avais le flashback le plus déprimant. Et... moi, il m'est arrivé de ces choses, quand même. Bah oui, ouais, c'est ce qu'on disait, ouais, le plus dégueulasse. Pardon. Eh bien, que faites-vous, même toi, Douglas Harper, tu te réveilles un peu plus tard que les autres, mais non, moi, tu vas au chapitre. Pas forcément plus tard, du D'accord, coup. Aussi. Si on considère que j'ai moins dormi, de toute façon, je suis habitué aux privations de sommeil, etc. aussi, hein, c'est pas mon... Ah oui, également, avant que j'oublie, je crois que c'est Rose, tu as... C'est Rose ou Michel? Non, c'est Rose, je crois.
Tu trouves un paquet, une boîte de chaussures dans ta chambre. Ah bon ? Oui. Il y a une histoire de chaussures, ça me dit quelque chose. T'avais eu les chaussures quand on avait été au marché noir, t'avais eu une paire de chaussures. Les chaussures noires. Ah oui, c'est un truc de. Je suppose que c'est ça. Alors, okay, bah, presque ça. L'avais. Tu ouvres le paquet, c'est des explosifs. Ah. Ah. C'est pas des chaussures du coup. Je les donne. Tu vois qu'André Bourgeois donne... a tenu sa parole et vous avez trouvé. Kiara est plus là. Mais quoi ? Kiara est partie. Hein j'avais prévu de descendre manger du saucisson, mais je suis pas encore parti. Bah, je te donne un cadeau. J'ai refermé la boîte et je te la passe. Ça, c'est je mieux pour toi, je pense. Et je l'ouvre et tu vois mes yeux s'écarquiller. Un petit sourire se dessiner sur mon visage qui fait éclater mes dents blanches. Et je range discrètement. Et je fais boum. Et je range discrètement. Des explosifs. Tu peux te noter que tu as deux charges d'explosifs. Ok. Là, je vous écoute. Que faites-vous? Que décidez-vous? Eh ben, je descends pour le piège. Je nettoie mes armes, je les mets en état. Parce que j'ai le brain gun, par contre, qui est normalement dans le. Dans la chambre d'hôtel. Du coup, je vais essayer de le démonter, de trouver un moyen de le cacher sur moi. Fais-moi un jet, ce serait. T'avais pas dit que tu allais planquer avant de passer ? Ouais, tu l'as planqué avant, tu me sens, avant le contrôle. Hein. Non, ça c'était le. Ah oui, pardon, c'est le fusil de. Le brain gun, du coup, c'est pour ça que j'avais pas pu l'emmener avec moi parce qu'il était resté dans la ville. Okay. Fais-moi un jeu d'intelligence pour trouver une bonne idée pour cacher ce brain gun. Ok. Parce qu'il n'est pas mort. Je vais essayer de faire la même chose du coup. Enfin, vu qu'on a tous les deux nos armes sur nous, je crois. Je suis très intelligent aujourd'hui. Tu as un éclair de génie. En transformant des valises, tu peux transporter assez facilement ton brain gun. Ok. Bah, je vais m'atteler à cette tâche. Ah, nul. Je vais essayer de démonter. On a pas du tout la même idée. Je vais essayer de faire ça. Ok. Henri Michel, le déjeuner t'attend. Tu sens une bonne odeur de café et de croissant. En extrapolant juste Bana avant qu'on ne fasse un. Tout un tunnel Henri Michel sur la table, la bouffe et tout ce qu'il y a à voir. Est-ce que, en extrapolant, je peux essayer de planquer le gun de mon frère de la même façon ? Le fusil oui, de mon frère. Oui, si t'as eu l'idée pour toi, tu peux l'avoir pour ton frère. Oui. Ouais. Ouais. À ce moment-là, je fais de même et j'essaie de lui planquer son truc également. Voilà. Vous voyez que la propriétaire n'est pas là. Et néanmoins, comme je disais, Henri Michel, du café et des croissants vous attendent. Ok. Moi, je vais descendre prendre un café et l'emmener dans la chambre où je vais commencer à déchiffrer les rituels que j'ai chopés avec l'aide d'un livre de traduction que j'ai trouvé ici. Ok. Qui est le premier ? Bah, j'imagine que c'est Henri Michel, mais est-ce qu'il y a une personne aussi également qui est le premier ou la première à déjeuner, petit déjeuner. Pour moi, ce serait par Rose du coup. Manger, mais... Donc par Rose et Kiara. Donc est-ce que parmi Thomas et Douglas. J'allais dire moi, nous une fois qu'on a, enfin que une fois que j'ai essayé de planquer des trucs et que du coup on a réussi à bidouiller notre chose, de toute façon je vais descendre. Et en tant que militaire, je suppose qu'on est levé quand même relativement tôt. Par rapport aux civils. Okay. Sauf par rapport à Henri Michel, qui en l'occurrence est un vieux, donc se lève tôt, et en plus. Donc les deux frères. Déjà 6h du matin. Les deux frères et Henri Michel, vous êtes les premiers à petit déjeuner. Vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a un officier de la Gestapo avec vous.
Pourquoi est-ce que j'ai pas fermé ma gueule en restant? Je ne sais pas. Alors, attendez. Oui, c'est lui. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Avec sa petite casquette. Oh, par ailleurs, YouTube, c'est peut-être... On est aujourd'hui un jour où peut-être Jean-Marie Le Pen est mort. Voilà. C'est un bel joie nazi, on sait jamais. Voilà. Ah bon ? Donc vous voyez ce jeune officier de la Gestapo qui est en uniforme. Bon, il n'a pas la casquette, mais elle est posée à côté de lui sur la table. Jeune. Et il s'y... ouais, entre 30 et 40 ans, en tout cas. Et il sirote son café, il vous regarde en vous faisant un signe de tête. Auquel, en tout cas, moi, je réponds. Je fais un grand coup de niais. Pareil, je fais un léger signe de tête. Non, je fais un léger signe de tête également. Et très tôt, je suis très vieux, je ne me sens pas bien, je ne suis pas encore plein de café ni de bouffe, et du coup... Je marmonne dans ma moustache. Et à un moment, il semble pas faire attention à vous, puis quand même, il commence à regarder de ton côté, Douglas. Il remarque tes blessures. Il t'interroge un peu du regard, et puis après, d'une voix plutôt agréable, ancien soldat. Il parle quelle langue ? Un français, mais avec un fort accent allemand. Du coup, tac. Donc, il me dit quoi? Vas-y, répète parce que j'ai pas. J'ai ancien pas soldat. Ah. Ancien marin. Ah, y a. Blessure de guerre. Il te montre, c'est son visage. Enfin, du coup. Pour montrer là où se situent les tiennes de blessures. Blessure de cuite. Ok. C'est bon. Quel connard. Alors pour ceux qui ont supprimé la soundboard, vous n'avez pas entendu, mais du coup, il y a eu des, il y a eu une soundboard qui s'est déclenchée. Je n'ai pas. Me disant que j'étais un gros nul. Vous aimez l'alcool beaucoup? Ah, plus maintenant. Bonne décision. Santé, public. Ya. Vous faites quoi ici, Cherbourg? Maintenant, je vends alcool. Vous avez autorisation? Oui, on est passé par le douane. Vous êtes passé au bureau de la Gestapo? Non, pas encore. Eh bien, passez, vous devez y passer. On sait. Mais on accompagne notre grand-père. Grand-père? Stuart. Dans sa barbe, comme quoi le service est plus ce qu'il était. Je pointe Henri Michel du doigt. De son temps, c'était mieux avant. Avant, le service était fait comme il faut. Vous aimez la vie à Cherbourg? Oh non, je préfère la vie en Suisse, mais mon grand-père... D'ailleurs, je vais faire un jet de... Je suis désolé de ce que je vais faire par rapport à... Tout le monde, j'en suis désolé, mais je fais un jet de français. Je me sens obligé de le faire. Et pendant ce temps-là, papy râle encore. Voilà, donc c'est un français avec un accent affreux. On est bien d'accord. Vous dites venir Suisse? Ma famille s'est installée en Suisse, oui. Je ne reconnais pas l'accent suisse chez vous. J'ai une question. Oui. Non, tais-toi, oui. Grand-père, tais-toi. Chut. Ma famille, du côté de mon père, est français. Du côté de ma mère, anglais.
On est tout seul hein, dans la pièce. Il y a nous et puis il y a le monsieur. Oui. Oui. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Henri-Michel ? Ah, je me lève en continuant à ronchonner comme quoi les toilettes, tout ça, tout ça. Puis je me dirige vers la sortie. Les toilettes sont bouchées. Comment ça, elles sont bouchées ? Et qui c'est qui dit qu'elles sont bouchées d'ailleurs ? Très bien. Ah, vous êtes. D'accord, vous êtes franco-britannique. C'est ça, moi et mon frère franco-britannique. Vous avez passeport ? Est-ce que tu peux me décrire la pièce, s'il te plaît ? Oh, ça, c'est une petite pièce. Bah, vous avez quatre pauvres tables avec des couverts et du café des croissants. Vous êtes dans une petite pièce. Ça marche. Il y a un bar juste derrière où, derrière ce bar, il y a la cuisine, là où se préparent les plats et autres. Mais on est tout seul dans la pièce. Mais vous êtes tout seul, il n'y a aucun client. Ouais. Il y a des bruits dans la cuisine Oui, oui, il y a des bruits. Ouais. Du coup, je me tourne vers Thomas, vite fait, moi. Je lui marmonne en anglais avant d'aller me lever pour aller voir l'allemand. Je m'assois à sa table. Je lui fais si tu trouves des bouteilles d'alcool, va, ramène-les. Ok. Non, je vais passer à la comptoir techniquement. Vous m'offrir alcool, généreux. N'ai pas besoin de ça, vous savez. Après ça tout, me fait plaisir. C'est ma ville ici. Non, je sais, je sais. C'est pas la question. C'est de l'alcool que nous avons amené ici. Vous allez pouvoir goûter la production. Les vins suisses, c'est l'avenir. Et puis, commencer la journée avec du vin, c'est commencer bien sa journée, n'est-ce pas ? Vin monsieur... français qualitatif, yeah, mais vin suisse, je doute. Non, nous avons un petit blanc pétillant, excellent. Il est élevé sur les... Vous voyez le lac Léman ? Yeah. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, bah je vais juste passer derrière le comptoir pendant qu'il est occupé, puis je vais grappiller une bouteille. Et vous voulez boire si tôt le matin ? Ah, écoutez, la sobriété, c'est bien. Mais un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. Hmm. Et quelqu'un d'aussi sympathique que vous boirait bien un verre avec moi, non ? Je suis en service. Ah, bien sûr, mais le service, vous savez, tout ça, c'est relatif. Hein, Thomas ? Je hoche significativement la tête. Yes, sir. Certainement point. Fais-moi un jet de... Ah, ce serait quoi ? Ah, baratin. Ça existe, ça ? Oui. Oui, ça existe. Oula, j'ai pas du tout investi beaucoup de points là-dedans, non. C'est pas grave. Je me suis... C'est pas grave, parce que dans ma grande... Oui, j'ai bien compris ce que faisait Henri Michel. Je l'ai fait 10 et non pas 26, mais c'est toujours un échec. Écoutez, votre offre est intéressante, peut-être plus tard, mais pas ici pendant mon service. Ah, comme vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Vous restez longtemps ici, à Cherbourg ? Vous savez, il y a combat ici, il faut faire attention. Bombardement. Résistance locale que nous devons annihiler. Écoutez, je reste ici le temps que je puisse vendre le vin. Notamment aux Allemands, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir contact avec vous. Ah, vous savez, nous Allemands, nous sommes plutôt de bière. Bonne bière. Oh, on m'a dit que les Allemands aimaient beaucoup le vin français. Eh bien, le vin suisse, c'est encore meilleur. J'ai du mal à vous croire. Croyez-moi. Foi de le grand.
Et puis du coup, je me tourne vers Thomas et je lui fais, tu ramènes une bouteille ? Oui, de toute façon, j'avais dit que je ramenais. Et je ne me souviens plus, Thomas, quel était ton alias, toi ? Bah, les deux, on est les mêmes, hein. Ouais, mais moi, c'était Bertrand Legrand, mais toi, c'était quoi ? C'était en Legrand aussi, mais on va dire Thomas Legrand. Tu l'as dit Thomas il y a un instant, donc... Thomas Legrand. C'est pas du tout Thomas. Bon, c'est très bien. Thomas ! C'est pas grave quand il va vous demander vos passeports. Je suis Thomas, placé... Ça sera son... Thomas, ça sera ton second prénom. Et du coup, je regarde la bouteille et puis je fais « Ah, c'est pas le bon vin qu'il a attrapé, mais bon, ça reste un vin. » Et je commence à le déboucher. Oh, lui, sur son café, il te regarde. Débouchez, mon ami, faites-vous plaisir. Je débouche. Mais déjà, dites-moi, vous qui êtes nouveau ici, est-ce que vous connaissez peut-être quelqu'un qui vous a acheté vos vins ? Non, pas encore. C'est notre grand-père qui a les contacts à Cherbourg. Est-ce que, bah, par le plus grand hasard, vous avez côtoyé un certain André Bourgeois ? Oui, c'est ça, Bourgeois. Je te le dis à HRP, mais je crois que Douglas Harper ne l'a même jamais vu, Bourgeois, en l'occurrence. C'est Thomas Kira et Henri Michel. Ça lui dit rien, donc il va faire absolument pas, non ? C'est un négociant. J'ai complètement oublié qui ça pouvait être. C'est le contrebandier. C'est le contrebandier qui a la boutique de chaussures. De cordonnerie. Mais moi, je l'ai pas côtoyé. Je savais même plus que j'étais là. Moi, j'avais oublié le nom du type. En tout cas, ouais, personnellement, on m'aurait posé la question, j'aurais dit aucun souvenir. Non, mais du coup, je regarde et je fais non, absolument pas. Parce que moi, je crois même pas que le prénom m'ait été donné. Donc... Nous n'avons pas de preuves formelles, mais faites attention, il se peut qu'il côtoie la résistance. Nous allons l'arrêter bientôt, je pense. Écoutez, vous pouvez rien, les Français, c'est ça. Ils se battent toujours. C'est la problématique. Les Français sont un peuple borné. Pendant ce temps-là, t'as papy dans le fond qui râle. Ils sont réfractaires. Vous disiez que vous vouliez voir mes papiers. Je lui donne les papiers. Vous êtes Mais c'est dommage monsieur de Legrand. C'est dommage de demander à voir les papiers d'un homme sans boire avec lui le verre. Je sers un petit coup de jaja. Forcing sur eux. Oui, bien sûr. Mon but, c'est de le forcer à boire. Ah, j'ai compris, je crois qu'il avait compris aussi, du coup. Non, j'ai plus d'accordéon, non. Ah, attends, je vais... Non. Oui, je me sens mieux. Là, tout de suite, je me sens cher à vous. Je me sens plus rassuré, surtout. Complètement. Et qu'est-ce qui vous prend de vouloir absolument me faire boire, monsieur Legrand ? Je vais commencer à vous suspecter de quelque chose. Ah, vous pouvez me suspecter d'une seule chose, je n'aime pas boire seul. Je vous ai dit que j'avais arrêté de boire. Buvez avec votre frère et votre grand-père. Ah non, le grand-père, ça le rend grognon. Quant à mon frère... Et pendant ce temps-là, ta papy, dans le fond, je t'en collerai, grognon. Certains m'ont fait, est-ce que j'ai compris ça en français ? Oui, je crois que j'ai compris ça en français. Du coup, je hausse nonchalamment les épaules et je me sers un verre pour montrer l'exemple. Bah, du coup, je me sers également un verre. À la santé des vins suisses ou des vins français ? Je sais pas ce que tu nous as pris, mais c'est pas l'air mauvais. Et je goûte et je vais au pif. Ah, Châteauneuf du Pape ! J'ai déjà le tien, putain. Je vais sortir. L'eau sans sourcil dit, vous avez pris la meilleure bouteille de la propriété, hein. Oui, mais... J'ai dit que je faisais ça pendant qu'il avait le dos tourné, qu'il a pas... normalement, il sait pas d'où faire.
Déjà la prudence de la bouteille. J'espère que vous ne restez pas très longtemps à Cherbourg, voyez-vous. Bientôt nous allons bombarder l'Angleterre. Ah, c'est pas grave, nous n'y vivons plus. Il y a peu de chances que nous soyons bombardés, non? Oui, il y a rester en Suisse, zone neutre. C'est ça. Nous, on prend juste l'or. C'est pratique. Et je pars d'un grand rire. Moi, je tousse malaisément. Bon. Et du coup, je jette un coup d'œil du côté de papy. Est-ce qu'il y a du monde dans ce, autour de moi, là? Bah non, du coup. C'est dur, non, mais d'accord. C'est juste que, tu vois, papy qui est tranquillement installé un peu plus loin. Les mains bien serrées sur sa canne. J'essaye de faire un... J'essaye de tranquillement sortir mon couteau en dessous de la table. Est-ce que je vois ce mouvement? Ce serait quoi? Ce serait toc pour voir bah, ça? Bah, tu m'as dit que t'étais côté cuisine, toi, non? Ah, moi j'ai dit que je me levais et que j'allais vers le fond en marmonnant comme quoi je cherchais les toilettes, mais j'ai jamais dit que je me barrais. Oui, je suis juste passé derrière pour être repéré de manière stratégique. Bah, fais-moi un jet de toc, Henri Michel, et fais-moi un jet de discrétion, Douglas. Et bah, je vois visiblement rien. Ou alors il est pas discret. Je suis extrêmement discret. Écoute, le couteau est bien caché. Eh bien donc, je ne vois pas que tu t'apprêtes à faire un truc. Je suis prêt à toute éventualité, mais je ne suis pas au courant qu'il va se passer quelque chose là. Ce, je vous laisse, j'ai du travail. Je tapote discrètement le pied de mon frère avant qu'il se lève. Et j'essaie de discrètement lui montrer le couteau. Dans ma petite vu ta réussite majeure, tu n'es pas obligé de refaire un jeu. Là, il s'avance vers la porte d'entrée. Il y a une interrogation du regard, en fait. Je pose la question à Thomas Harper du regard. Tu sais, genre, le regard, genre... Est-ce qu'on y va ou... Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas? Moi, je fronce les sourcils pour répondre par la négative. Ce serait okay. Trop... Ce serait pas très subtil pour nous. De quoi? De lui faire un guet-apens dans la cuisine? Ah ouais. Dites-moi, monsieur, vous êtes... J'ai pas bien saisi votre nom. Je suis Klug, Jan Klug. Ah, vous êtes la... Vous êtes à la SS? Je suis officier de la Gestapo. C'est moi qui gère Cherbourg ici. Photo non contractuelle, il a... Ok. Bah écoute, c'est dur à trouver. Hein. Okay. Oui, non, mais oui, je sais, t'inquiète. C'était... Parce que du coup, vu que j'ai vu son petit truc d'officier, je me suis dit que c'était un SS. Ok. T'inquiète, c'est aussi non contractuel que les enfants en Norvège qui se font buter. Hein. C'est... On est dans une réécriture de l'histoire pour les tatillons. Ouais. Voilà, on en a rien à foutre. Tout au service du scénarium, rien au service de la véracité historique. Du coup, je le regarde et je fais si je dois venir pour demander les autorisations, c'est vous que je demande. Oui. Et ça va, c'est pas trop dur de tenir Cherbourg? Non, c'est une ville que nous avons mis assez facilement dans notre poche. Et j'ai vu des grands bateaux qui déchargeaient des choses ou peut-être chargeaient. C'est pour faire des affaires? Je ne peux dans pas trop port. Vous en parler, ceci concerne l'Allemagne. Ma foi, on tente, hein. Vous savez, dans notre métier, il faut toujours tout savoir. Ne posez qui pas vient, trop de questions, revient. Monsieur Legrand, je commence à soupçonner quelque chose chez vous. Uniquement de la curiosité suisse, vous savez, comme on est neutre, on s'ennuie un peu. Curiosité mal placée, monsieur Legrand. Et je tends mon verre de jaja vers lui, en lui faisant un signe de la main.
Bonne journée, monsieur Legrand. Vous allez peut-être recevoir une visite de mes camarades sous peu. Ne quittez pas la ville. J'en ai pas l'intention. Bonne journée. Et, je regarde Thomas Harper en mode vraiment, vraiment, on le tue pas. Vraiment. Vraiment, on allait. Vraiment, il suffisait qu'il communique ses habitudes de comptoir à ses collègues et toutes les Gestapo nous tombaient dessus d'un coup. Y'a pas que les Gestapo, à mon avis. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Okay. Si on doit le faire, faisons-le dans un contexte où on ne sera pas les premiers suspects. Chiara, Rose, vous faites. Que faites-vous? Moi, je vais arriver à ce moment-là dans la salle. Ouais, je pense que j'étais arrivée un petit peu avant que l'homme parte. Mais en voyant un officier de la Gestapo, je me suis arrêtée un peu avant, un petit peu avant la fin de l'escalier. Et je profite du moment où il s'en va pour entrer dans la pièce et dire qui était cet homme? Il était à petit soin, dis donc. Avec un grand sourire. Il était à votre goût. Ah mon dieu. Bah, du coup, forcément, moi je comprends pas, donc je fais il était à votre goût, vous trouvez? C'est quand même un nazi. Ou assimilé. Oh, on peut peut-être allier. Le plaisir avec le travail et profiter un petit peu de cet homme avant de le tuer ou après. Alors là, forcément, du coup, les Italiennes n'ont vraiment aucun honneur. Ouais, c'est on va parler en anglais quoi, mais il va y avoir beaucoup de mi-choc, mi-insulte, on va dire ça comme ça. En plus, ça a l'air d'être dégueulasse et en plus un peu nécrophile. Donc, mais ça, on le sait pas, ça. Bah, j'ai pas dit nécrophage, j'ai dit nécrophile. Parce que vraiment, elle vient de dire. Après l'avoir tué. C'est ça, elle vient de dire profiter de lui après, avant ou après l'avoir tué. Moi, pour moi, enfin. J'ai entendu avant l'avoir tué, moi, c'est pour ça. Mais elle a dit les deux, elle a dit avant ou après. Ah merde. Après, j'ai rajouté ou après, vu que je compte le manger. Enfin, ça, vous savez pas, mais s'il est mort, ça me gêne pas, quoi. Ouais, d'accord. Rose, qui a entendu tout ça, éclate de rire et arrive pas à s'arrêter de rigoler. Elle trouve cet humour noir très, très, très marrant. Pour ceux qui comprennent l'anglais, Douglas Harper est en train de dire tout le mal qu'il pense de ce genre de comportement. Douglas, c'est pas celui qui se disait que franchement j'étais parfaite il y a deux. Il y a ça juste hier soir. Bah oui, mais Douglas, il n'est pas. Les temps changent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée de se farcir un cadavre lui fait reconsidérer. Je comprends. Zut, ah, j'ai raté. Ami Douglas, vous ne comprenez pas l'humour italien. Souvent, Douglas varie. Et ça varie de monnaie. Je comprends que je vous ai mis un petit peu mal à l'aise. Je fais. L'humour anglais n'est clairement pas le même que l'humour italien. Je suis désolé si je vous ai gêné. Avec un grand sourire, toujours. Les Italiens ont de l'humour. Ça se discute, mais bon, il est toujours meilleur que celui des Anglais, apparemment. Je lève un sourcil d'un air très circonspect. J'entendais Henri Michel qui grogne et qui râle. Oui, j'allais dire pendant ce temps-là, est-ce que papy fait toujours de la résistance? Pas d'après toi. Bah, pas vraiment. Il est juste parti pour respecter dans un coin, c'est tout ce que j'ai eu. Et du coup, moi, je peste en disant que tout ça vaut pas un bon vieux George Formby. Et que... C'est quoi? Nous, on sait rire. C'est un comique... Un comédien de musical anglais de l'entre-deux-guerres britannique. Bon, bah, je me verse un café sans les écouter plus que ça et je cherche un saucisson.
De si bon matin, il n'y en a pas, malheureusement. Tu n'as que des croissants. Bon, ben, je me prépare à sortir pour aller jusqu'à la boucherie. Est-ce que tu préviens les autres ? Ouais, je dis... Bon, j'ai faim, il n'y a pas ce que je veux ici. Je vais aller faire quelques courses. Et j'y vais. Donc, Kiar vous quitte pour faire des courses. Et sur ce, est-ce que, sachant qu'il est minuit 10, on ne mettrait pas un terme à cette petite session ? Ça ne vous ennuie pas ? C'est possible. Juste possible. Dites-moi ce que vous comptez faire dans le futur. Chercher du saucifleur. Mis à part le saucisson, la quête du saucisson, oui. Mis à part le sauciflard, le grand but, ça va être de retrouver officier gestapiste le soir, Yann, ouais. De le liquider gentiment. Et puis, les habits. Ouais. Mais en attendant, il va falloir qu'on aille. Moi, du coup, je voudrais bien avec Thomas m'introduire dans le bureau de la Gestapo, vu qu'on a des faux papiers qui tiennent la route normalement. Ne serait-ce qu'aller les voir, pouvoir faire un tour à l'intérieur. Ouais, et puis un peu de sabotage pour éviter de les retrouver sur notre chemin, ça pourrait être sympa. C'est ça. Là, en gros, l'idée, ça va être d'enquêter sur le bureau de la Gestapo et de trouver comment rentrer, d'en faire un peu le tour discrètement. Bah, notez-le ça et réfléchissez à quelques idées pour la session prochaine. Donc ça c'est pour les deux frères. Est-ce que Henri Michel, Rose, Kiara, vous avez prévu des choses? Non. Moi, il fallait que j'étudie mes documents. Décrypte les rituels. Il y avait cette histoire d'aller récupérer les tableaux dans une école, si je me trompe pas. Dans un château. Non, c'était pas dans un château, c'était plus dans un château, c'était dans une école. Ah. Ouais. Je suis vieux, c'est la mémoire. Moi, j'aimerais bien voir si je peux trouver un endroit pas loin de l'école pour noter les allées et venues des différents gardes. Ouais, faire un peu de planque. Et repérer s'il y a quelqu'un qu'il faudrait approcher pour Ok, bah c'est noté. Voilà. Et après, je pense aussi à l'idée que, au lieu d'assassiner bêtement Yann Krüger, je pourrais tout à fait l'attirer dans un coin et en faire mon affaire. Voilà. Sans dire elle a changé cœur. Hein. Bah, elle se souvient, bon, hein. Je sais. Elle a décidé. Elle que a faim, bon, forcément, faut qu'elle s'occupe. Hein. Oui, mais j'ai faim. Hein. Le saucisson, ça va pas tenir 5 épisodes. Hein. Et par contre, Henri Michel, je vais te forcer à devoir faire quelque chose parce qu'il faut bien que tu fasses quelque chose. Eh bien. Donc, il nous reste quoi comme objectif ? Il y a les tableaux à l'école, le monsieur a assassiné pour lui piquer ses fringues. Et c'est tout. Hein. On l'a nettoyé de l'autre côté du scénar. Tu as entendu que Yann Kluge avait dans l'idée d'arrêter André Bourgeois aussi. Bon, c'est pas grave. Non, mais oui. Bah, si c'était emmerdant. Je reprécise après. Vous êtes sur vos contacts de la résistance aussi. Vous êtes que tous les trois à avoir entendu. Donc nous on peut rien y faire, les autres, mais. Après, tu peux décider d'aider les frères Harper, Henri Michel, ou d'aider Kiara, ou de. Non, t'as raison, je vais aller voir le bourgeois. C'est décryptage. Je vais aller voir le bourgeois, je vais attraper une bouteille de pinard là dans le stock de démonstration, et puis. Puis je vais essayer d'aller la faire déguster à des gens pour voir s'ils voudraient pas m'en acheter 200 boisseaux, y compris M. Bourgeois qui a l'air d'être un bon. Ça va faire des sourds, Michel. Je repars pas les mains vides. Bah, c'est noté, du coup, on peut stopper là.
Donc je... En vous remerciant. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Salut. Bye.